La séance est ouverte. Mes chers collègues, nous reprenons les auditions de la commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre. Je dois également vous informer que nous tiendrons seulement deux auditions aujourd'hui, puisque l'audition de RSF, Reporters sans frontières, est reportée à leur demande. Elle sera reportée, nous l'espérons, la semaine prochaine. Et nous souhaitons dans l'attente un prompt rétablissement à M. Christophe Deloire. Dans un premier temps, nous souhaitons donc la bienvenue à M. Vincent Bolloré. Votre parcours comme capitaine d'industrie, notamment au sein des médias, est connu. Dans les années 1990, vous vous êtes intéressé à TF1. En 2001, vous avez repris la Société française de production. En ce qui concerne notre sujet, je rappellerai que vous êtes un acteur de la TNT depuis 2005. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Vous participez en effet au lancement de la TNT en 2005 avec la création par le groupe Bolloré de la chaîne Direct8, aujourd'hui C8. En 2010, ce groupe rachète au groupe Lagardère la chaîne Virgin 17, aujourd'hui c'est Star. En 2012, après la revente de ces deux chaînes au groupe Canal+, via un échange d'actions, vous devenez le premier actionnaire de Vivendi. En 2014, vous devenez président du conseil de surveillance de Vivendi. Et en 2015, président du conseil de surveillance de Canal+, qui détient 7 autorisations d'émettre sur la TNT, chaîne payante et chaîne gratuite. Vous avez abandonné depuis les fonctions exécutives. Vous êtes toujours conseiller auprès du président du directeur de Vivendi, M. Arnaud Puyfontaine. Et vous contrôlez toujours le groupe Vivendi via plusieurs sociétés holding, le groupe Bolloré détenant 29,5% du capital de Vivendi. Projet de scission du groupe Vivendi a été annoncé. Le devenir du groupe Canal+, actuellement détenu à 100% par le groupe Vivendi, fera sans doute l'objet de questions. Monsieur le Président, je vous remercie de répondre à notre convocation. Votre nom a été souvent cité lors des auditions. Il est, je pense, important à la fois qu'on puisse vous poser ces questions, mais que vous ayez aussi un élément et un lieu de défense pour répondre à ces propos, qui sont d'ailleurs aussi souvent des propos seulement rapportés. Je vais vous donner la parole, bien sûr, pour une intervention liminaire. Je vous proposerai de limiter à maximum 10 minutes, de manière à avoir un maximum de temps d'échange avec les députés présents au cours de cette commission. J'aurai ensuite l'occasion de poser des questions, monsieur le rapporteur, évidemment, par la suite. Comme il a été décidé lors de la réunion du bureau de la commission d'enquête, cette commission durera 2 heures. Elle se terminera donc à 17 heures précises. Chaque député membre pourra poser une question dans la limite de son temps. Pour rappel, les règles sont les mêmes que celles décidées par les réunions de bureau et présentes sur les précédentes réunions, c'est-à-dire pour les députés membres, donc 3 minutes, fractionnables en 2 temps si c'est souhaité. C'est-à-dire que nous ne coupons pas le minuteur au bout des 3 minutes. Vous avez la possibilité d'attendre une réponse pour ensuite rebondir ou poser d'autres questions. Au bout des 3 minutes, nous passons à l'orateur suivant. Pour les députés non membres de la commission qui auront possiblement la parole, selon le temps également apparti par cette audition, ce sera 2 minutes également fractionnables en 2 temps. Je vous remercie également, M. Bolloré, de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Je remercie également, dans un souci de transparence, comme il l'a déjà été fait par les membres de cette commission par le passé, les députés membres de nous rappeler leurs actions, leurs activités passées, s'ils en ont eu dans l'audiovisuel, en début d'intervention. Auparavant, je vous rappelle également l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Monsieur le Président, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie et je vous donne la parole. Voilà, pardon. Je réponds évidemment à votre convocation et je comprends qu'il faut que je donne les lignes principales de mon parcours. J'ai eu la chance de naître dans une famille catholique bretonne riche et célèbre. Riche, pas seulement d'argent. Ils fabriquaient le cahier à cigarettes OCB, si vous les aviez bien roulés, ce qui à l'époque était évidemment extraordinairement connu et rentable. Mais aussi riche de tendresse. C'était une famille nombreuse. Et nous étions, et nous sommes toujours d'ailleurs très heureux ensemble. Et ils étaient aussi célèbres parce qu'ils avaient fait une guerre admirable. Et le 6 juin 1944, dont nous allons bientôt fêter le 80e anniversaire du débarquement, sur les 177 Français, puisque le général de Gaulle avait été prévenu que l'avant-veille avait absolument exigé que ce soit des troupes françaises, et on n'avait trouvé que 177 Français qui étaient prévus dans ce débarquement, et 2 étaient de ma famille. J'avais un père résistant, des oncles dans la résistance également à Londres, un oncle à Normandie-Niémen. Et donc, nous étions très heureux. Nous étions sur les terrasses en Bretagne à discuter, écouter les différentes personnes qui
parler de tout ça. Et donc, j'avais plutôt rien à faire dans ma vie, parce que ça n'était que le René, fils de René, qui prenait la tête des papeteries. Et moi, j'étais le cinquième fils de Michel, donc je devais ne pas faire grand-chose, mais avoir suffisamment d'argent pour ne pas faire grand-chose, ce qui, sincèrement, était tout à fait dans mes cordes. Et donc, j'ai passé 10 ans dans la banque, tranquillement, avec des études convenables jusqu'au doctorat de droit. Et j'étais très heureux. Et puis, malheureusement, il a fallu à un moment, devant les difficultés de l'entreprise, que quelqu'un s'y colle, parce que l'entreprise allait mal. Le papier à rouler était remplacé. Et leur grande spécialité, qui était le papier carbone, qui servait, vous savez, à dupliquer les documents, qui étaient des papiers noirs, pour ceux d'entre vous qui... s'en souviennent, étaient remplacés par les photocopieuses et il y avait 800 personnes et donc personne ne voulait prendre le risque social d'aller dans cette affaire qui était très endettée. Donc j'y suis allé, j'y ai passé 40 ans, de 1981 à 2022. Nous étions 800, quand je suis parti nous étions 80 000, donc disons que ça a plutôt bien marché. Nous faisons partie des 500 premiers groupes mondiaux. Et grâce à cette période, j'ai contribué ou j'ai pu participer à un certain nombre d'aventures industrielles fortes. On est passé du papier carbone, que j'ai fermé, arrêté, au papier sachet à thé. Les sachets à thé étaient faits en tissu. Et puis, tout d'un coup, on s'est aperçu que le papier pouvait avoir les qualités mécaniques pour résister à la traction de la cuillère et à l'eau bouillante. Et on est devenu le numéro un mondial des sachets à thé. Après, on s'est lancé dans les... film pour condensateur, dont on est toujours le numéro un mondial. Ce sont des petits composants que vous avez dans vos appareils photo, dans vos voitures, etc. Et puis après, nous sommes devenus l'un des 5 premiers groupes mondiaux dans les transports. Nous avons investi, créé des filières, des gens, des hangars, de la logistique. Et bref, nous avons continué comme ça à travers différents secteurs parce que je pensais qu'être un groupe diversifié présentait moins de risques. Et qu'en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, on avait plus de chances de s'en sortir, puisque j'avais été évidemment un peu traumatisé par le contraste entre cette jeunesse très sympathique et agréable et ce moment où tout avait failli basculer. Voilà, donc le groupe s'est bien développé. Il a été, en effet, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y a un peu plus de 20 ans dans les médias, pour deux raisons. La première, c'est que mon fils Yannick, mon deuxième fils, ne voulait pas travailler dans le groupe. Les secteurs dans lesquels nous étions ne l'intéressaient pas. Il était parti dans le cinéma. Et donc, j'ai pensé que commencer dans les médias avec Philippe Labreau pouvait le faire venir. Et j'ai en effet réussi. Et puis, la deuxième raison, pour qui est plus triviale, c'est que contrairement à ce que les gens imaginent, le secteur des médias, c'est le deuxième secteur le plus rentable dans le monde après le luxe. Donc, pour ces deux raisons qui mêlaient l'intime et... l'attrait du gain, nous sommes allés dans les médias. Évidemment, au début, personne n'y croyait, puisqu'on a commencé par une petite chaîne de la TNT. Et à l'époque, personne ne voulait investir dans les chaînes de la TNT. Les grands groupes, les 4 grands groupes, y compris Canal, expliquaient que ça ne servait à rien. Et puis, comme vous le savez, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, je crois, notre groupe est devenu non seulement le premier groupe audiovisuel français, mais il est devenu le premier groupe audiovisuel européen et sans doute il fera partie des grands groupes mondiaux et il portera, je crois, l'image de la France et les contenus européens dans le monde. Parce que notre conviction, c'est qu'à côté des contenus américains où vous avez, qui sont tout à fait formidables, mais Spider-Man 1, 2, 3, Batman 1, 2, 3, etc. Et à côté des Asiatiques qui sont un peu plus compliqués à comprendre, il y a sans doute... entre les deux, une culture intéressante à mettre en avant. Et en tout cas, pour l'instant, eh bien, ça représente un certain succès. Comme vous l'avez dit, le 17 février 2022, qui était la date du bicentenaire du groupe, j'ai pris ma retraite de ce groupe. Je l'avais prévu 30 ans ou 40 ans avant. Quand je suis arrivé, on m'a dit « mais vous n'allez pas rester longtemps, vous venez de la banque, vous allez repartir ». J'ai dit « non, non, je vous promets, je resterai jusqu'au bicentenaire ». Donc ça m'a paru long par moment, pour être tout à fait franc. Puis finalement, c'est arrivé assez vite. Et depuis le bicentenaire, j'ai laissé ma place opérationnelle à mes successeurs, qui dirigent admirablement, puisque depuis que je suis parti, ça marche encore mieux. Donc je me réjouis d'avoir nommé les bonnes personnes aux bons endroits. Et tout en restant conseil, comme vous l'avez dit, mais en y passant peu de temps, pour être tout à fait franc, je me suis lancé dans la philanthropie, la générosité,
Les Anglais disent qu'il y a trois périodes dans la vie. Il y a la période learning, on apprend. Il y a la période earning, on gagne, on construit. Et puis il y a la période giving, c'est-à-dire on rend. Et comme vous l'avez compris dans mon propos liminaire, qui s'arrête maintenant bien sûr, j'ai beaucoup reçu. Je suis né avec une cuillère en argent. Ce n'est pas du tout par volonté que je suis allé faire des choses, mais par nécessité. Et donc il m'a semblé qu'il était nécessaire de faire des choses. Donc on avait déjà monté la Fondation de la Deuxième Chance, que dirige ma fille, maintenant Marie, et qui a aidé pratiquement 9000 personnes depuis un peu plus de 20 ans, avec plus de 1000 bénévoles, parrains, marraines, pour des gens en difficulté. On a aidé, on a construit des cliniques, des foyers, et là on lance une nouvelle fondation, association, qui n'aura peut-être pas le statut de fondation, puisque c'est sur nos fonds personnels, qui s'appelle May Day, jour de mai, et qui a pour but d'aider des personnes qui, à un moment ou un autre, sont en difficulté. Voilà ma vie, mais enfin, je suis très content de venir répondre aux questions qui peuvent se poser. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bolloré. Merci également d'avoir ajouté au pot commun un peu de votre temps de parole. Je préviens mes collègues, j'aurai très peu de questions de manière à pouvoir en laisser un maximum aux membres présents et à Monsieur le rapporteur. Je rappelle que, autant pour moi, pour le rapporteur que l'ensemble des membres présents, l'objet de cette commission d'enquête, c'est l'attribution de contenu et le contrôle de la TNT et que seules ces questions ont leur place évidemment dans cette enceinte, comme ça a toujours été le cas pour l'ensemble d'ailleurs des auditions par le passé. J'aurais une première question, Monsieur le Président. Vous avez dit que le secteur des médias était le deuxième plus rentable, après le luxe. Pour autant, on peut le voir notamment à travers vos résultats. Si vous détenez 7 chaînes payantes et gratuites sur la TNT, les 3 chaînes gratuites du groupe Canal+ représentent 3% du chiffre d'affaires des chaînes gratuites, 5% du marché publicitaire, avec un résultat net de moins 47,6 millions d'euros. Donc effectivement, lourdement négatif si les choses s'améliore. Comment on peut expliquer effectivement qu'on n'atteint pas la rentabilité au niveau du groupe? Et de manière plus large, puisque vous faisiez partie, on va dire, des premiers à faire confiance à la TNT à un moment où il y avait un doute, comment vous voyez justement, déjà, est-ce que vous pouvez revenir sur vraiment ce choix d'entrer la TNT, de croire en la TNT, le rôle de la TNT justement à l'avenir et le rôle du groupe Canal+, malgré cette perte financière sur la TNT? D'abord, la réussite de Canal est incontestable. Elle est incontestable par le nombre de ses abonnés, qui est de 25 millions ou 27 et qui va passer à 50 prochainement. Et il est incontestable surtout par ses résultats, pratiquement 1,5 milliard de profits qui ont été annoncés pour l'exercice 2023. Et l'exercice 2024 sera en augmentation par rapport à celui de 2023. Et donc, de par sa taille, son nombre de salariés, ces développements, Canal, je l'ai dit tout à l'heure, est le premier groupe européen et est en train de devenir un très grand groupe mondial. Donc évidemment, le groupe Canal dans son ensemble, qui est moi ce qui m'intéresse et ce qui intéresse nos actionnaires, est un succès formidable. À l'intérieur de Canal, vous avez du gratuit et du payant. Et il se trouve qu'à une époque, Canal avait dans ses abonnés, dans sa partie payante, énormément de temps clair, c'est-à-dire gratuit. Il y avait, quand je suis arrivé chez Canal, 6 heures de clair sur les chaînes de Canal, ce qui était évidemment un problème parce que quand vous payez un abonnement à 20 ou 25 euros, même si c'est formidable que vous avez le meilleur du sport, le meilleur des films, etc., et que votre voisin d'à côté qui paye rien et vous voyez par la fenêtre qu'il peut regarder Canal de la même façon gratuit, il y a quand même un petit problème. Donc, les dirigeants de Canal ont fermé le clair, pratiquement, qui coûtait beaucoup d'argent. C'était l'époque du grand journal, des guignols, etc., je pense que mes amis ici présents sûrement voudront y revenir. Et donc, ça coulait à flot, ça coûtait très cher. Et donc, cette partie-là a été fermée et Canal s'est lancé dans le gratuit. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on est rentré. C'était un dîner de Bretons où Bertrand Méheux m'a dit « Écoute, est-ce que tu ne veux pas apporter tes chaînes ?» Je lui ai dit « Écoute, les vendre, non, surtout que c'est mon fils qui s'en occupe. J'ai mis beaucoup de temps à le faire venir. » Mais l'apporter dans Vivendi, voilà. Puis comme vous savez, je suis devenu stagiaire vice-président, etc., etc., etc. Donc globalement, d'abord, c'est un succès. Alors maintenant, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu fou parce que personne n'y croyait au lancement de la TNT. Et il y avait toutes les raisons de ne pas y croire, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, les télévisions ne recevaient pas la TNT. Il fallait acheter un énorme truc que vous mettiez sur votre télé et bon... Donc on a mis pratiquement 5-6 ans avant d'avoir, avec le changement des téléviseurs qui se sont intégrés TNT, on a mis beaucoup de temps à recevoir la TNT. Mais c'est quand même un progrès formidable pour les Français,
puisque c'était 20 chaînes gratuites. Moi, je revenais des États-Unis et je racontais à mes enfants que quand on arrivait aux États-Unis, il y avait le soir 12 films, 4 séries, 5 émissions de variété. Et en France, vous aviez que 6 chaînes. Voilà. Donc la TNT, c'est évidemment une potentialité extrêmement importante. Nous l'avons saisie avec Philippe Labro, que j'ai connu quand il était chez RTL, avec qui on avait toujours dit on va faire de la télé ensemble. Et puis bon, on a commencé avec Jean-Christophe Thierry, qui était un haut fonctionnaire, qu'on a débauché du Trésor, je crois. Et puis bon, on a commencé, on a transformé un des étages de notre tour en studio, puisque le concept de Direct 8, c'était que tout était en direct et que tout pouvait arriver. Et que c'est ça qui pouvait éventuellement intéresser les gens. Et puis on a mis beaucoup de temps. C'est devenu la première chaîne de la TNT. Et concernant CNews, comme vous savez, qui était aussi la deuxième de vos questions, en effet, CNews a mis du temps et a perdu pas mal d'argent. Elle en perdait avant que je n'arrive et elle en perd toujours encore maintenant. Mais ça y est, maintenant, elle a pris sa place, puisque CNews, depuis 3 mois, et en tout cas au 13 mars aujourd'hui, sur le mois de mars, est en tête devant BFM. Et comme BFM vaut beaucoup d'argent et gagne beaucoup d'argent, dit-on, CNews va évidemment se mettre à gagner beaucoup d'argent et sera non pas équilibré, comme vous ont dit les gens de mon équipe, je ne sais plus dans quelles années, mais assez vite, parce que la télévision gratuite, c'est assez simple, c'est fonction de l'audience. Si vous avez une grosse audience, là, les gens payent plus cher la publicité que si vous avez une petite audience. Donc comme la 8 est devenue la première chaîne de la TNT et que CNews est devenue la première chaîne d'info, je ne doute pas qu'elles vont gagner de l'argent. Et évidemment, les équipes de Canal que vous avez reçues et que j'ai écoutées, sont extraordinairement attachés à ces chaînes gratuites parce qu'elles représentent un pilier interne du groupe. Ce n'est pas d'un côté les chaînes gratuites, de l'autre côté les chaînes payantes. C'est un ensemble. Et comme vous savez, c'est un ensemble extrêmement important puisqu'il supporte le cinéma, il supporte les séries, il supporte une grande partie du sport français, il supporte beaucoup de variétés, il supporte beaucoup de documentaires. Canal, c'est un énorme soutien à la création française. Effectivement, nous avons pu auditionner l'ensemble des équipes du groupe Canal+. Ça me permet d'ailleurs de clarifier pour tous nos observateurs, et tant mieux si nous avons des observateurs dans nos travaux parlementaires, que si nous avons fait le choix effectivement d'auditionner l'ensemble des chaînes du groupe Canal+, c'est parce que nous avions vu l'ensemble des éditeurs, l'ensemble des autres chaînes en amont, et que nous avions plutôt à juste titre anticipé l'émotion qui accompagnerait l'audition des chaînes du groupe Canal+, et donc nous avons pu mener l'ensemble de nos travaux correctement avec l'ensemble des autres chaînes, avec bien sûr des questions et des sujets extrêmement légitimes pour l'ensemble d'entre elles. Je vous remercie effectivement pour ces réponses. Monsieur le Président, nous avons au cours de nos auditions rencontré plusieurs personnes, pour en citer deux, Jean-Baptiste Rivoire et Rodolphe Belmer, qui nous ont fait part d'une forme d'intervention, notamment lorsque vous aviez des fonctions exécutives, intervention sur le sujet, intervention sur les convenus, et dans les mots de M. Rodolphe Belmer, une forme de micromanagement. Est-ce que vous pourriez revenir à ce sujet-là? D'ailleurs, c'était d'autant plus important que parfois ces personnes n'avaient pas de contact direct avec vous, mais une forme d'interprétation ou de propos rapportés, il me semblait important que vous puissiez vous expliquer et nous expliquer au sein de cette commission d'enquête quels étaient vos fonctionnements, le mode de management, la liberté, effectivement laissée bien sûr aux journalistes, au cours d'ailleurs des différentes périodes et différentes activités que vous avez pu avoir au sein du groupe. Alors d'abord, quand on a lancé Direct 8 avec Philippe Labro et Jean-Christophe Thierry, c'est clair que je m'occupais de tout. Parce que ça partait de zéro et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Sur la période de Canal, c'est une période un peu plus compliquée parce que quand je suis arrivé chez Vivendi comme président, je crois que nous n'avions que 10 ou 12% du capital de Vivendi. Et donc, nous étions très, très minoritaires à côté de plein d'autres actionnaires qui étaient très, très majoritaires. Et dans Vivendi, il y avait une société qui posait problème, qui était Canal. Maxime Saada l'a rappelé ici. Canal, quand je suis arrivé, c'était 460 millions de pertes, la partie française, 400 millions sur le payant et 60 millions sur le clair. Mais évidemment, personne n'osait de chez Vivendi aller chez Canal parce que, vous ne connaissez pas toute l'histoire, mais Jean-Marie Messier, mon prédécesseur chez Vivendi, avait été renvoyé parce qu'il avait voulu changer l'équipe de Canal qui dépensait beaucoup et il avait été jeté dehors, bon, avec tout ce qu'il fallait autour. Et,
Et donc, personne chez Vivendi avait envie d'aller s'occuper de Canal. Mais le problème, c'était les pertes. Voilà. Et moi, je suis à la fois l'actionnaire important. Maintenant, on en a plus. Vous l'avez rappelé, 29,5. Mais je ne suis pas actionnaire unique. Moi, j'ai des tas d'actionnaires à l'extérieur qui regardent ce que je fais. J'ai un restaurateur italien qui s'appelle Alberto, qui travaille avec sa femme et des amis siciliens de 6h du matin à 8h du soir, et puis de 8h du soir à 11h. Et il a mis tout son argent en titre Bolloré Vivendi. Voilà, donc si jamais ça baisse, ben, je mets mon nez sur le menu à pizza. Voilà, donc je suis tenu de mon devoir fiduciaire, si vous voulez, c'est de faire que les choses se redressent. Donc quand je suis arrivé chez Canal, en effet, j'ai pas l'impression du tout d'avoir fait du micromanagement. J'ai l'impression d'avoir repris tout en main. Je vous ai évoqué tout à l'heure la fermeture du Clair. Ça a été un moment extraordinairement terrifiant parce qu'il y avait, je sais pas, j'ai eu 3 couvertures du Monde ou 4 sur l'arrêt des Guignols, l'arrêt du Grand Journal, etc., etc. C'était un moment absolument terrible. Quand on a arrêté le Festival de Cannes, c'était absolument terrible. Et là, il fallait malheureusement quelqu'un qui donne les caps qui pouvaient être que moi, parce que j'étais le seul qui n'allait pas être renvoyé. Et puis si j'étais renvoyé, c'était pas un problème, ça m'aurait pas posé de gros problèmes sociaux. Voilà, donc dans cette partie, j'ai fixé les choses, j'ai nommé les équipes, et en effet, j'en ai changé pas mal. Et j'en ai changé pas mal, pas forcément parce qu'ils n'étaient pas compétents, j'ai changé pas mal parce qu'ils n'avaient pas envie de changer de train de vie. Et je vous ai raconté tout à l'heure, moi j'ai été dans une famille très riche. Ça n'a pas plu du tout d'aller changer tout d'un coup, de vendre les belles voitures et de faire des choses différentes et de vendre les bateaux et arrêter d'aller faire de la voile le week-end et des trucs comme ça. Ben, c'était pareil chez Canal. Canal, c'était... Bon, je vous raconterai tout à l'heure si vous voulez. Bref, pour dire ce qui s'est passé. Alors, en revanche, sur les contenus, voilà, ça, c'est la tarte à la crème. Voilà. On me ressort indéfiniment une histoire d'il y a 10 ans du Crédit Mutuel... De parce que le Crédit Mutuel me finance. Alors d'abord, le Crédit Mutuel ne me finance pas plus que les 15 autres banques importantes françaises et que les 5 principales. Et ensuite, Maxime Saada, comme tous les gens que vous avez interviewés, et Maxime Saada, c'est la troisième fois qu'il passe, parce qu'il est passé déjà, en dehors de la semaine dernière, il est passé il y a 2 ans et il y a 5 ou 6 ans, il a toujours dit que c'est lui qui était en charge des programmes et que je ne lui avais rien demandé. Donc tout ça, c'est des tartes à la crème qu'on met en avant. Parce qu'en effet, quand vous venez arrêter une grande fête, les gens ne vont pas dire « c'est affreux, on nous arrête de faire des fêtes ». Ils viennent dire « il s'occupe des choses, il est d'extrême droite, c'est un type affreux, etc. Bon, » bref, et tout ce que vous connaissez qui est là. Mais donc, je ne suis jamais intervenu dans les contenus, en aucune façon, dans le groupe Canal. Et en plus, je n'ai pas le temps, et ça demande un temps fou, parce que vous savez, nous avons, je ne sais plus combien, 20 chaînes ou 24 chaînes, le meilleur des films, le meilleur des séries, c'est pas cher d'ailleurs pour ça. Et je ne sais pas ceux d'entre vous qui ne sont pas abonnés à Canal, mais si vous voyez tout ça, même si vous êtes un patron interventionniste, vous n'êtes pas capable de le faire. Donc, je n'ai pas fait. Je vous remercie. Effectivement, vous faites bien de revenir sur le sujet du Crédit Mutuel qui avait été celui cité par M. Rivoy. Alors, M. le Président, permettez-moi cette question un peu abrupte, mais qui permettra justement de reprendre une idée, peur ou fantasme, selon les personnes. Êtes-vous le grand organisateur d'un grand projet idéologique et politique, comme certains se plaisent à écrire, dire ou chuchoter ? Écoutez, les contenus, j'ai des convictions, hein, je pourrais vous en parler tout à l'heure, mais les contenus du groupe Canal n'ont qu'un objectif, c'est de servir ses abonnés ou ses téléspectateurs. Voilà. D'ailleurs, si ça servait à autre chose, ça ne marcherait pas et ce ne serait pas un succès. Donc, je vous redis, Canal, son succès est dû au fait que c'est le meilleur. Voilà. Et quant aux chaînes gratuites dont vous parlez tout à l'heure et de CNews, pourquoi est-ce que CNews est un succès ? Voilà, parce que CNews raconte la vérité, reçoit tout le monde, enfin, en tout cas tous ceux qui veulent y aller, et que c'est aujourd'hui un espace de liberté. C'est pour ça que CNews marche. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de particulier qui est dedans. Et C8 marche parce que là aussi, il y a un espace de liberté. Je crois que vous recevez Cyril Hanouna demain. Vous vous demanderez pourquoi Cyril Hanouna fait plus de 2 millions de personnes tous les soirs jeunes qui viennent le regarder. Voilà, ils ont envie de regarder ça. Alors, est-ce qu'il y a de l'idéologie là-dedans ou chez Cyril Hanouna? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a une liberté, une joie. Vous savez, les gens rentrent souvent fatigués. La vie en France aujourd'hui est peut-être moins facile que ce qu'elle était avant. Et je crois que les gens sont contents d'allumer la télé. Ceux qui peuvent s'offrir le payant,
au canal et beaucoup de distractions possibles. Et puis ceux qui ont moins de moyens ou pas de moyens, et ils ont des chaînes gratuites qu'ils peuvent regarder. Et ce n'est pas un hasard si nos chaînes sont devenues, alors que la concurrence, c'est plutôt des gens costauds, hein, ce n'est pas des petits. D'abord, vous avez le service public avec, je ne sais plus combien, 3 milliards ou 4, qui est apporté. Et puis vous avez TF1 qui est là depuis, je ne sais pas combien de temps, 30 ans, 40 ans, qui était numéro 1 depuis très très longtemps. Voilà. Mais vous avez vu, en fait, le groupe Canal est en train d'aller vers l'international. Le vrai développement du groupe Canal, c'est celui-là qu'il faut se poser en tant qu'élu de la nation. C'est est-ce que le groupe Canal est capable d'aller porter l'image de la culture française, parce que moi, je crois qu'il y a une culture française, à l'international. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et ça devrait être votre champion. J'en parle d'autant plus que ce n'est plus moi qui m'en occupe. C'est comme vous savez, Maxime Saada, Jean-Christophe Thierry et puis des tas de gens que vous avez vus. Mais le vrai sujet, c'est celui-là. Est-ce que vous avez envie d'avoir, comme l'Allemagne à Bertelsmann ou l'Amérique à Disney, est-ce que vous avez envie d'avoir un grand champion qui va aider le cinéma, les dessins animés, la création, les documents, etc., etc. Voilà. Je vous remercie pour ces réponses. Bien sûr, j'aurais beaucoup d'autres questions à poser, mais par respect à l'ensemble des députés membres, je vais libérer le temps et aussi à monsieur le rapporteur. J'aurais eu bien sûr des questions, notamment sur ce développement stratégique international, comme on a pu le faire avec monsieur Saada ou au cours d'autres missions, notamment la mission d'information avec Jean-Jacques Gauthier sur l'avenir de l'audiovisuel public. On avait vu en marge le groupe Canal+, mais ce développement international n'est pas l'objet de cette commission d'enquête. Monsieur le rapporteur, je vous donne la parole. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Bolloré de votre propos liminaire et de vos premières réponses. Alors, je vais le rappeler, cette audition a pour objectif, ou en tout cas l'objet de la commission d'enquête, est de vérifier l'attribution des autorisations d'émettre, les critères retenus, le respect des obligations des conventions par les chaînes et éventuellement les sanctions délivrées par l'ARCOM. C'est donc ces sujets-là que nous allons traiter. D'abord, j'aimerais m'assurer, je pense que c'est le cas, que quelqu'un dans votre position, j'imagine, s'entoure des meilleurs ou des personnes les plus compétentes. J'imagine que vous pouvez me le confirmer d'un simple mot. Je ne sais pas si c'est les meilleurs, mais en tout cas, c'est les meilleurs que j'ai trouvés. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme j'étais assez paresseux, parce que j'ai une jeunesse paresseuse, vous développez à ce moment-là, quand vous êtes obligé d'aller travailler, un sixième sens, qui consiste à aller trouver la personne qui va aller travailler à votre place. Bon. Et donc, c'est vrai que quand je suis arrivé chez Canal, j'ai trouvé Maxime Saada. Il y avait 40 devant moi. Et voilà, comme dans la musique, pour que Universal Music devienne le numéro 1 mondial, ce qu'il est aujourd'hui, j'ai trouvé Lucian Grange, qui était au milieu d'un certain nombre. Donc, j'essaye de trouver les meilleurs. Est-ce qu'il y en a des meilleurs ailleurs? J'en sais rien. Est-ce que le meilleur peut devenir pas bon? C'est possible. Et est-ce qu'un pas bon peut devenir meilleur? Sûrement, nous n'avons pas que des meilleurs. Hein. C'est dans un orchestre, vous avez généralement pas 50 cadors. Mais enfin, si vous en avez quelques-uns et que vous réussissez à les travailler, à se faire travailler ensemble, c'est pas mal. Juste bien sûr pour nos bons travaux, Monsieur le Président, je vous conseillerais plutôt des réponses bien sûr brèves. Mais d'un autre côté, Monsieur le rapporteur, si effectivement vous voulez avoir des questions en deux temps, c'est aussi le risque de ce type de réponse. Monsieur le rapporteur, je vous redonne la parole. En partant du principe que vous faites appel à des gens compétents, je m'interroge par exemple lorsque le tribunal de commerce en mars 2019 rend sa décision dans une affaire que vous avez entamée contre M. Tristan Valex pour contre complément d'enquête. La décision du tribunal de commerce est la suivante. La société Bolloré SA ne pouvait ignorer que la présente action ne pouvait ressortir de la compétence du tribunal de commerce. Dans la mesure où vous faites appel à quelqu'un de compétent, je me demande la raison pour laquelle vous avez pu intenter une telle action. Est-ce que c'est parce qu'il était incompétent ou parce que simplement il vous obéissait et que vous poursuiviez d'autres buts? Alors là, vous, monsieur le rapporteur, vous faites référence à un complément d'enquête qui a été fait me concernant et où le clou de le complément d'enquête, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on voit dans une plantation, je crois que c'est au Cameroun, un jeune garçon noir qui dit qu'il a 14 ans mais qui en a 18 je crois, mais enfin peu importe, et qui est avec un gant troué et on lui dit vous avez un gant troué et il dit oui c'est monsieur Bolloré, il ne veut pas payer le gant. Or je n'ai jamais été propriétaire de cette plantation au Cameroun, je ne suis jamais allé dans cette plantation au Cameroun et donc on a quand même un petit problème
qui est que nous étions attaqués sur un sujet comme ça. Bon, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le problème, c'est pas qu'on était attaqué et que c'est une atteinte à notre personne. C'est pas un problème d'amour propre. C'est un problème que vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos salariés, c'est quelque chose d'important. Or, c'est au tribunal de commerce que vous avez le plus de chances de recevoir une indemnité qui correspond au préjudice que vous avez reçu. Et donc, c'est pour ça que ça a été au tribunal de commerce. Le sujet n'était pas simplement de faire dire c'est de la diffamation. Le sujet, c'était de voir comment on pouvait réparer les coûts d'image qui nous ont été imputés. Et c'est pour ça que nos responsables sont allés au tribunal de commerce. Je vous remercie. Je connaissais la teneur du dossier. Ce dont je m'interroge, la question que je me pose, c'est la raison pour laquelle vous pouvez, avec un avocat compétent, décider d'entamer une procédure qui ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal de commerce. C'est là, j'ai cité le tribunal de commerce qui dit que la société Bolloré SA ne pouvait ignorer que la présentation ne pouvait ressortir de la compétence du tribunal de commerce. De fait, il s'agissait de délit de presse qui a sa juridiction. Donc, ça n'appelle pas de réponse. J'observe juste. Monsieur Bolloré, juste allumez votre micro, s'il vous plaît. Si, ça appelle une réponse. Si vous voulez simplement faire rétablir votre bonne foi, vous allez en effet devant les tribunaux. Je suis, comme vous savez, j'ai fait 6 années de droit ou 7. Vous me direz, je travaillais en même temps, mais enfin, j'ai suivi un peu les cours quand même. Là où vous avez une chance d'avoir des dommages et intérêts, quand vous avez un préjudice, voilà, au titre de 1382 et suite, 84 et 6, remarquez, je crois que les articles ont changé depuis, ben c'est au tribunal de commerce. Donc après, vous pouvez choisir de ne pas aller au tribunal de commerce. Mais si vous estimez que vous avez un préjudice, c'est devant la cour commerciale que vous allez. Quand vous êtes une entreprise, j'entends. De fait, vous avez été condamné pour procédure abusive, ce qui est extrêmement rare. Et j'en tire la conclusion, pour ma part, que votre avocat n'a fait que de vous obéir d'une certaine façon, parce qu'en droit, parce qu'il est compétent, il aurait sans doute pris une autre décision. Cette question de l'obéissance et de la déloyauté, en réalité, elle est centrale dans ce qui nous occupe. Monsieur Stéphane Guy a été licencié pour un défaut de loyauté. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire à qui il a été déloyal ? Monsieur le rapporteur, si vous pouvez préciser qui était Stéphane Guy, dans quelle société il est en prix. Mais c'est pas grave. Non, pardon, monsieur Bolloré, j'ai juste... Monsieur le Président, rallumez votre micro juste pour... Voilà, je reviens juste sur notre avocat, parce que je suis là quand même pour défendre le groupe, c'est pas un truc intuitu personnel. Notre avocat est très bon, il peut lui arriver de perdre, mais notre avocat est très bon, il a gagné dans plein d'autres domaines. Et rappelez-moi qui est Stéphane Guy, je sais pas qui c'est, pardonnez-moi. C'est un monsieur qui a soutenu un certain Sébastien Thoen, que vous devez mieux connaître, qui avait lui-même été licencié. Manifestement, Stéphane Guy a été ensuite licencié pour déloyauté. Monsieur le rapporteur, dans quelle entreprise ? C'est bien Canal+. Je crois honnêtement que je n'ai jamais rencontré Stéphane Guy de ma vie. Je ne sais pas si vous lui demandé, mais demandez-lui. Je ne le connais pas. Et Sébastien Thoen, je crois que je ne l'ai vu qu'une fois. On m'avait demandé de venir faire un show à l'Olympia devant tout le personnel de Canal. C'était le début où j'arrivais et où justement, comme ma réputation, c'était Attila, etc. On m'avait demandé de venir me présenter. Voilà. Et je crois qu'il m'a salué à la sortie. Mais je n'ai jamais parlé avec lui. Donc je ne le connais pas et donc je ne suis pour rien dans l'ensemble de ces points que vous évoquez. L'ennui, c'est que les témoignages attestent que lorsqu'il a été licencié, M. Thoen, pour un sketch, la cause de ce licenciement, c'est décision de l'actionnaire. C'est un SMS reçu de Maxime Saada. Vous êtes l'actionnaire, je suppose. Alberto, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Non, mais je rigole, Attendez, décision de l'actionnaire, c'est... Je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais pas ce qu'il a fait, je n'ai jamais vu ce dont vous parlez. Attendez, j'ai un groupe de 80 000 personnes au moment où vous parlez. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis désolé pour ce garçon, j'espère que tout va pour lui, mais je ne suis absolument pas responsable de tout ce qui peut se passer dans un groupe de cette taille-là. Ça n'existe pas. Je sais pas. En politique, vous êtes responsable de ce que vous dites, parce que c'est ce que vous faites toute la journée. Mais quand vous êtes à la tête d'un grand groupe, français ou étranger, vous êtes obligé de gérer les 6 ou 7 personnes qui dépendent de vous. Donc je peux vous parler de mes relations avec les 6 ou 7 personnes que j'ai, qui dépendaient de moi à l'époque. Mais malheureusement, ces personnes, je ne les connais pas. Je regrette. Et je suis désolé pour elles.
Concernant donc une des personnes qui dépendait de vous, peut-être pas complètement d'ailleurs, mais M. Belmer, revenons sur son éviction, lui-même a considéré qu'il était parti à cause de micromanagement. Est-ce que vous confirmez qu'il a fait la décision, il a pris la décision de partir ? Peut-être qu'en même temps, il a pris dans sa tête la décision de partir, mais il a été révoqué. Vous avez un conseil de surveillance qui s'est tenu et qui a révoqué M. Belmer. J'ai la copie du conseil de surveillance et de son procès-verbal ici. Et un accord a été signé avec lui qui dit la même chose. Voilà. Et pardonnez-moi, le conseil de surveillance qui s'est tenu le 3 juillet 2015... Il y avait le président du conseil de surveillance, c'était Arnaud Puyfontaine, Hervé Philippe, Éric Bell, Vincent Bolloré, Frédéric Crépin, Simone Guillam, Stéphane Roussem, Vincent Valéjeux, Bertrand Méheu, Maxime Sala, Grégoire Castin, Édouard Chavagnac. Il y avait donc à peu près 15 personnes et il a été révoqué à l'unanimité. Pas d'ailleurs parce que c'était un mauvais garçon ou qu'il avait fait des choses mauvaises, hein, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Je pense que Rodolphe, comme toute l'équipe, n'avait aucune envie de... Je laisse à disposition de la commission si elle le souhaite... Rodolphe, comme toute l'équipe de Canal, n'avait aucune envie de changer de train de vie. C'était des seigneurs. Vous êtes tous très jeunes, donc vous n'avez pas connu Canal à l'époque, mais c'était extraordinaire. Il y avait le Festival de Cannes, il y avait 300 personnes qui allaient pendant 15 jours dans des hôtels. Ça coûtait 50 000 euros la semaine, pratiquement. Le champagne coulait à flot. Après, quand ils avaient fini Cannes, ils allaient au Rallye de Monaco. Après, ils allaient à Wimbledon. Après, ils allaient voir les élections à Washington. On a dépensé, on a fait 400 millions d'économies, monsieur le rapporteur. 400 millions d'économies. Quand vous faites ça, vous avez une réputation atroce. En plus, tous ces gens-là, ils invitaient beaucoup de monde. Donc, évidemment, le champagne coulait à flot. Voilà, moi, je suis le sale type là-dedans, c'est normal. Mais c'est à ça que je sers, au fond. C'est le paratonnerre, le bouc émissaire, voilà. Et qu'est-ce qu'on va dire ? On va pas dire, c'est horrible, il a arrêté la fête. On dit, mais c'est un type affreux. Vous savez, sur le plan psychiatrique, c'est même inquiétant pour moi, parce que... De temps en temps, je lis mes aventures dans des lettres. C'est affreux, quoi. C'est un truc. C'est Attila passe et on ne repasse pas. À l'époque de la reprise, vous avez annoncé vouloir investir 2 milliards dans Canal. Est-ce que vous les avez investis ? Oui, oui. On a investi beaucoup plus que ça. Nous sommes en train d'acheter, là, pour vous donner un exemple, une entreprise. Sa valeur est de 2 milliards 9. Nous sommes rentrés il y a quelques mois dans une entreprise dont la valeur était d'un milliard et nous dépensons chaque année pratiquement pour, enfin vous redemanderez les chiffres à Maxime Saada, mais de l'ordre de 3 milliards de contenus par an. Canal, c'est le premier soutien du sport. C'est le premier soutien du cinéma. Je crois qu'on doit dépenser 500 millions par an de films, dont 300 en France, donc 200 sur des films qui n'ont même pas commencé. Donc, évidemment, on dépense énormément d'argent. On a remis, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, beaucoup plus que les 2 milliards que vous indiquez. 4 milliards. Est-ce que vous pouvez m'indiquer combien de personnes ont quitté le groupe Canal ? Alors, il y a, chez Canal, des gens qui sont partis et des gens qui sont rentrés. Et heureusement, il y a beaucoup plus de gens qui sont rentrés que de gens qui sont partis. Voilà. Alors, les gens qui sont partis, je vous dis une fois de plus... Moi, je ne leur en veux pas. C'est des gens, ils ont été habitués à vivre dans le luxe. Ils n'ont aucune envie de changer les choses. Et les gens qui sont rentrés, voilà. Quand je dis, pardon, je voudrais juste faire une correction, monsieur le président, monsieur le rapporteur, si vous voulez bien. Quand je dis c'était la fête chez Canal, attendez, 95% des gens de Canal avaient des petits salaires et travaillaient avec ardeur et vigueur. Hein. Mais le dessus du panier, c'était, je vous dis, la fête au village, quoi. Mais, monsieur le président... Et c'est ceux-là qui sont partis et qui ont été remplacés par d'autres, beaucoup plus économes. Et c'est pour ça que Canal, vous savez, les entreprises, malheureusement, on est toujours attrapé par les questions d'argent. Le sujet, c'est qu'à un moment, vous avez votre bilan, vous avez votre comptable qui vient vous voir. Et si ce n'est pas votre comptable, c'est votre banquier qui vient vous voir, Crédit Mutuel ou autre, et qui vient vous dire, attendez, vous dépensez de l'argent, moi, je ne peux pas vous prêter indéfiniment. Et donc, il a fallu mettre fin à tout ça. Et ces gens sont partis parce qu'ils avaient vécu... Dans la richesse, et que autre temps, autre mœurs. Entre temps, sont arrivés Bean, dont on disait que ça allait être affreux, qu'ils pourraient pas mettre de l'argent tout le temps parce qu'ils traitaient à perte, mais ils sont toujours là et très riches. Et on est très heureux, on est associé avec eux maintenant. À l'époque, il y avait Netflix, dont on disait ils vont faire faillite. Aujourd'hui, Netflix ça vaut 200 milliards, et donc Canal s'est adapté complètement. On a créé une plateforme de technologie qui s'appelle MyCanal,
Il y a 1000 ingénieurs chez Canal et on a changé tout. Et c'est pour ça que ce groupe est devenu extrêmement rentable. C'est parce qu'on a eu le courage de le faire. Mais le fait de l'avoir fait, même si ce n'est pas moi qui l'ai fait, parce que heureusement, ce sont les gens qui ont travaillé pour moi et que j'ai choisi et que j'aurais été incapable de le faire, et ben c'est moi qui sers de bouc émissaire. Et chaque fois que quelqu'un est renvoyé... Vous parliez de M. Rivoire tout à l'heure. C'est intéressant. Je l'ai vu 10 secondes dans ma vie, je crois, ou 20 secondes dans ma vie. Je visitais les bureaux de Canal et il était dans un bureau et j'ai passé ma tête, si je me souviens bien. Et il m'a dit, je travaille sur les investigations, je vais faire une investigation sur vous. J'ai dit, c'est une très bonne idée. Je suis reparti. Je ne l'ai jamais vu depuis. Après, chaque fois qu'il sort un livre ou un truc ou un machin, il parle de moi parce que c'est plus vendeur d'ailleurs. Vous avez vu, là, tout à l'heure, il y avait 40 photographes qui sont arrivés. C'est bon. Effectivement, c'est grâce à vous ou à cause de vous, je ne sais pas. Effectivement, Monsieur le Président, nous avions bien compris que le rapporteur, que les photographes n'étaient pas là pour nous. Désespérons pas de d'y arriver un jour pour d'autres raisons, mais ce n'était effectivement pas pour nous. Monsieur le Président, vous corroborez donc les propos de Monsieur Rivoire sur le fait que vous êtes vu qu'une seule fois pendant 10 secondes. Juste peut-être préciser à Monsieur le rapporteur, si vous en avez l'information ou le souvenir, le nombre de départs et le nombre de sorties. Oh, je ne sais pas, il y a dû avoir... grosso modo, alors il y a dans les sorties, il y a des gens qui sortent naturellement. Maxime Saada vous l'a raconté, puisqu'il était là et que c'est lui qui a fait ce plan. Il y a ce qu'on appelle des plans de départ volontaires, c'est-à-dire des gens profitent de ces moments qui sont proposés pour toucher de l'argent et faire autre chose ou aller ailleurs. Voilà. Dans les déports forcés, je ne sais pas, il y en a peut-être eu 100 ou un truc comme ça, mais dans les entrées, je sais pas, il y a 2000 personnes de plus que quand je suis arrivé ou 3000 personnes de plus que quand je suis arrivé dans l'ensemble du groupe Canal. Je reviens en arrière juste deux secondes. C'est pas du tout que j'ai envie d'avoir des photographes, hein, parce que vous savez, je ne réponds à aucun journaliste. Ça fait 10 ans. Mais comme vous me convoquez, que je suis obligé de venir, parce que sinon les gens viennent me chercher pour m'amener ici de toute façon, ça donne une réponse. C'est comme si j'étais important. Vous voyez, je ne suis plus rien dans ce groupe aujourd'hui. Voilà. Alors c'est vrai, je suis actionnaire ultime, puisque mes actions ont été données, mais j'ai gardé les droits de vote, parce qu'on ne sait jamais. Bon. Mais je ne suis plus rien, je ne devrais pas être là. Mais comme moi, j'entendais en arrivant en voiture, France Info, Vincent Bolloré va être auditionné à 14h. Ça donne envie d'aller écouter ce qu'il va dire. Mais je vous disais tout à l'heure, ça fait un peu peur, hein, parce que c'est Attila... Je vous remercie. On va redonner la parole à Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président. Et effectivement, vous êtes là à notre demande. Et donc, on va faire attention de bien faire tac au tac les questions et réponses. C'est important aussi dans le temps qui est limité, Monsieur le rapporteur. Merci. Bon, j'ai bien compris que vous n'étiez qu'un paratonnerre, mais il se trouve que vous avez vous-même revendiqué plus d'une fois d'utiliser la terreur. Par exemple, vous avez dit la terreur fait bouger les gens. Et vous avez aussi dit, par exemple, à propos des guignols, vous avez évoqué l'été où je tue les guignols comme on a tué les pauvres journalistes de Charlie. Et pour être très honnête, je vais lire la fin de la citation. Je pense d'ailleurs au contraire que les guignols méritent un autre avenir. On est en septembre 2015. Est-ce que... pour les plans de départ volontaires que vous évoquez, une multitude de témoignages que je ne peux pas citer ici même corroborent l'idée qu'il régnait une forme de terreur dans les entreprises et que les plans de départ étaient volontaires, enfin les départs étaient moyennement volontaires. L'ambiance était telle que, d'une façon un peu comparable à ce qu'on a pu voir dans d'autres entreprises, les employés se sont sentis poussés vers la sortie. Mais bon, j'aimerais vous demander simplement, avez-vous déjà été à l'origine d'une ou plusieurs émissions sur vos chaînes ? Alors, je reviens sur la terreur, parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est quand je suis arrivé donc, dans cette maison en fête, et que malheureusement, n'ayant pas l'État derrière nous, c'était nos propres finances et il fallait arrêter les dépenses, une certaine panique s'est installée à l'intérieur de la maison Canal. Voilà. Et au cours d'un comité d'entreprise, un représentant a dit « Mais vous coupez les têtes et vous inspirez la terreur. » Et j'ai répondu en citant Mauriac, je crois, la terreur, la peur, c'est le début de la raison, ou quelque chose comme ça. Hein. Sans doute le début de la raison. Voilà. Mais honnêtement, je n'inspire la terreur à personne. Que je connais. J'inspire la terreur à des gens qui ne m'ont jamais vu et qui écoutent ce qui est raconté dans un certain nombre de petites lettres et qui disent c'est un type épouvantable, il fait des choses horribles, etc. Le monsieur de Loire, là, dont vous me parliez tout à l'heure, qui est malade, et j'en suis désolé, qui a été nommé, la présidente de Reporters sans frontières, qui a été nommée pour gérer tout ça, a dit quand Bolloré passe, les journalistes trépassent. Bon.
Alors, dès que j'arrive quelque part, avant même que j'arrive quelque part, aujourd'hui, les gens ont peur, les gens crédules, et s'en vont. C'est ça, cette histoire de terreur. C'est une histoire de réputation, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est là où je disais, je suis le paratonnerre et le bouc émissaire. C'est comme ça. Mais non, je suis plutôt très gentil, plutôt rigolard, plutôt affable. Je me méfie des blagues que je dis. Et j'ai des tas de gens avec qui je travaille depuis 40 ans et qui sont très contents de moi. Mais évidemment, je lis, voilà, c'est toujours les mêmes journaux, c'est toujours les mêmes lettres. On voit bien comment c'est fait à force de répéter, voilà. Mais peut-être que c'est comme ça que, vous savez, c'est Kipling disait « Si tu supportes que des sots, que des gueux excitent des sots en disant des choses terribles, tu deviendras un homme. Peut-être que je deviendrai un homme un jour. » C'est important. Avez-vous déjà été à l'origine d'une ou plusieurs émissions sur votre chaîne, sur vos chaînes ? À des émissions ? Directement, non. Directement, non, parce que, comme vous savez, et Maxime Saada vous en a fait le truc. Enfin, alors, c'est pas tout à fait vrai. Quand je m'occupais de Direct 8, quand j'ai monté Direct 8, j'ai été à l'origine de toutes les émissions. C'est moi qui ai invité, c'est moi qui ai inventé, pardon, les animaux de la 8, qui marchent d'ailleurs toujours. C'est moi qui ai inventé les émissions La Nuit, où il y a une dame qui lit en direct des livres. Ça, c'était formidable. Boîte de Nuit aussi. J'ai inventé le tuit-tuit, qui était un animal qui, à cause des problèmes écologiques, n'avait plus pouvoir voler. On a inventé des émissions diverses. Voilà. Alors après, quand je suis arrivé chez Canal, j'ai fait zéro émission depuis, si c'est ça votre question. Entre autres, êtes-vous à l'origine de la programmation de l'émission Dieu merci sur Direct 8 et d'Enquête d'esprit sur CNews ? Je ne peux que répéter ce qu'ont dit mes camarades qui sont passés ici et que j'ai écouté, comme vous l'imaginez. Voilà. D'abord, il y a un très gros bassin judéo-chrétien en France. Voilà. Donc, il se trouve qu'une émission sur le judéo-chrétien, ça intéresse des Français. D'ailleurs, ils font un succès formidable. Et Serge Nedjar a raconté qu'il voulait en plus un moment de calme, de paix, de tranquille pendant le week-end. Et que donc, il a monté pour ça. Moi, là, je trouve ça très bien. Je la regarde. Bon, c'est un peu ardu, hein, c'est pas un truc, c'est pas de la vulgarisation religieuse, mais je trouve ça très bien. Et donc, je ne suis pas à l'origine. Comme vous l'a dit et Serge Nedjar, et Gérald Brice-Viret, et Maxime Saada, de même qu'ils ont déclaré que je ne les avais jamais, ni avant du temps de M. Bellemare, ni après, gêné ou poussé sur des programmes. Depuis combien de temps connaissez-vous M. Aymeric Pourbet ? Je l'ai connu quand il est arrivé pour faire l'émission. Il était connu par, je crois, Serge Nedjar et en tout cas Gérald Brice-Viret. Mais moi, je ne l'ai connu qu'au moment où il s'est mis à faire l'émission. Ce n'était pas un ami. Et contrairement à ce qui est dit, d'ailleurs, France Catholique ne m'appartient pas à titre personnel. France Catholique est dans le groupe, comme toutes les autres affaires du groupe. Mais ça ne m'appartient pas à titre personnel. Est-ce que désormais, de près ou de loin, vous participeriez à la supervision de cette émission ? Non. Revenons un instant sur l'émission dont on a parlé avec la direction de CNews sur l'IVG. La direction a considéré que c'était une faute très grave que d'avoir diffusé cette émission et en particulier le visuel indiquant que l'IVG serait une cause de mortalité. Ils en ont parlé comme d'une meurtrissure. Laurence Ferrari s'en est excusée. Christine Kelly également. Est-ce que vous considérez que c'était une faute très grave ? Et dans ces cas-là, qui, d'après vous, mériterait d'être sanctionné ? Alors, ils ont dit que c'était une erreur technique et je n'ai pas de raison de mettre en doute la parole des gens qui travaillent dans le groupe. Donc, s'ils disent que c'est une erreur technique, c'est une erreur technique. Et ce n'est pas à moi d'accabler des gens à l'intérieur des chaînes. Je peux pas à la fois, on ne peut pas à la fois me dire que si je me mêle, je fais de la censure. Et si je ne me mêle pas, je fais du non-interventionniste. Si vous voulez mon avis sur le sujet lui-même, je peux vous l'exprimer, même si ce n'est pas dans la commission. Je pense que se heurte dans cette affaire de liberté. Et comme vous le savez, moi, je suis très attaché à la liberté. J'ai de l'ADN. Dans mon ADN coule la liberté. Mais comme vous savez, c'est la liberté des gens de disposer d'eux-mêmes et la liberté des enfants à vivre. Et je pense qu'il y a un certain nombre de gens en France qui, tout en voulant laisser la liberté, parce que c'est quelque chose de fondamental, disent « n'oubliez pas que c'est quand même
à un moment quelque chose où une vie ne s'exprime pas. Et en tout cas, c'est ma conviction forte, c'est-à-dire que je pense qu'il faut que chacun le fasse, mais que c'est quelque chose de terrible. Et je vais vous faire une confidence. Il y a pas mal d'années, la femme avec qui j'étais a appris qu'elle était enceinte alors qu'elle prenait des médicaments qui interdisaient, enfin qu'il fallait pas prendre. Et j'avais déjà 4 enfants, j'étais faible, j'ai pas fait attention, j'ai laissé faire. Voilà. Ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cette vie que j'ai contribué à supprimer. Et pourtant, je suis pour la liberté, et je laisserai la liberté, voilà. Mais cette vie, c'est important. Je ne suis pas le seul à le dire, le pape le dit aussi, et beaucoup de gens le disent aussi. Monsieur le Président, effectivement, sur ces questions, merci pour ces informations, mais c'est effectivement important qu'on reste. Question du rapporteur, dans le sens où, pour vous informer, vous en rassurer, vos avis intimes et politiques ne concernent pas l'objet de cette commission d'enquête, de la même façon que sur des précédentes auditions, la condamnation qui avait été demandée à M. Nedjar sur un crime de guerre, condamnation personnelle, ne rentrait pas dans l'objet de cette commission d'enquête. Donc, je vous informe et je vous rassure en même temps que l'ensemble de vos idées et convictions intime comme politique, ne rentre pas dans l'objet de cette commission d'enquête. Je vous remercie. Par ailleurs, je m'étais bien gardé de vous poser cette question, mais elle n'appelait pas ce genre de réponse. Je suis né catholique, je suis tombé dedans quand j'étais petit, ça ne m'a pas quitté. C'est une grande force dans la vie, et voilà, mais tout en laissant les gens libres. Chacun fait ce qu'il veut. Je suis pour la liberté. C'est parfait, je crois qu'on a fait le tour pour cette émission. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, je vais revenir un instant sur le rapport que vous pouvez avoir avec certaines, disons, des incarnations des chaînes que vous contrôlez. Cyril Hanouna dit « Je suis d'une fidélité indéfectible et c'est réciproque, je crois. » Est-ce réciproque ? Bah, écoutez, jusqu'à présent, vous avez remarqué que oui, en dépit d'amendes, en dépit de problèmes, Cyril Hanouna est toujours dans les chaînes. Et je vais vous dire, vous l'avez entendu, tout le monde a envie de le garder. Voilà, donc ce n'est pas un problème uniquement de la fidélité de moi-même, parce que je redis, je n'aurai pas la possibilité. Maxime Saada vous a dit, quand Vincent Bolloré vous demande quelque chose, est-ce que c'est un conseil ou une instruction ? Il a répondu, je crois, c'est un conseil, grosso modo. Et il a dit, est-ce que vous respectez toujours ces conseils ? Il a répondu non. Ce que je trouve d'ailleurs un peu dangereux, vous me direz, les primes de fin d'année sont passées, mais enfin quand même. Bon. Donc Cyril Hanouna, c'est son succès qu'il protège. Cyril Hanouna, plus de 2 millions tous les soirs. Il faut vous demander pourquoi Cyril Hanouna fait plus de 2 millions tous les soirs, avec des sujets qui sont les sujets de tout le monde, la vérité de la vie en France. C'est comme ça. Pour faire la publicité de cette commission, nous recevrons donc bien Cyril Hanouna, conformément à sa convocation, demain 14 mars à 14h jusqu'à 16h30. Alors, vous nous avez dit que le train de vie de Canal était dispendieux. Est-ce que vous pourriez nous dire combien gagne Maxime Saada, s'il vous plaît ? C'est public. Maxime Saada, je crois, gagne 1,5 million de salaire brut fixe. Et il a une prime potentielle de 100% en fonction de ses résultats. Tout ceci est passé en conseil d'administration et voté à l'Assemblée de Vivendi, où, je vous rappelle, nous n'avons que 29%. Voilà, mais Maxime Saada, je ne le dis pas, pourrait gagner beaucoup plus à l'extérieur, parce que c'est un garçon qui est non seulement d'une qualité extraordinaire, mais c'est une vedette internationale. Il est au moment où on parle à Los Angeles, et Maxime Saada, il pourrait aller demain chez Disney, partout, il pourrait aller. Voilà, c'est un type formidable. On aimerait connaître une telle politique d'austérité. Puisque vous nous disiez également que vous n'étiez pas soutenu par l'État, je me pose une question. Durant le Covid, Vivendi a versé 697 millions d'euros de dividendes aux actionnaires, soit un dividende en hausse de 20%, et un moment où vous organisiez même le rachat d'une partie du capital, ce qui vous permettait de consolider votre position et d'accroître les dividendes. Et alors que Canal recourait alors au chômage partiel, et ce, contre l'avis du gouvernement. Est-ce que ça n'est pas une façon de détourner les deniers publics ? Excusez-moi, je crois que Canal et aucune société de notre groupe n'a reçu des deniers publics. Je ne sais pas à quoi vous faites illusion précisément, parce qu'on n'a pas reçu d'argent de personne. Et Canal n'a pas demandé de l'argent à l'État. Des PEG, des tout ça, non. Et chômage partiel, monsieur le président.
Je ne sais pas si Canal a fait du chômage partiel à l'époque, je ne sais pas. À ce moment-là, nous demanderons l'information au groupe et ils nous la transmettront aux membres présents. Selon le journal Le Monde, daté du 4 mars 2024, vous auriez rencontré Madame Saporta aux obsèques de Paul Sarkozy, le père de Nicolas Sarkozy, lui-même administrateur de Lagardère, le 9 mars 2023. À cette occasion, avez-vous bien eu une discussion avec elle? Portait-elle sur le cardinal Sarah? Alors, je l'ai croisé en effet, l'ensemble des gens qui venaient pour le deuil du père du président de la République était là, et je lui ai parlé, pas, elle m'a dit bonjour, Nicolas Sarkozy me l'a présenté, je lui ai dit bonjour, et je ne sais pas ce qu'elle m'a dit, mais moi je ne lui ai pas parlé d'aucune sorte, j'étais dans une église, et selon ma religion, dans une église on ne parle pas. Pardonnez-moi, je reprécise quelque chose. Je pense que Isabelle Saporta devait vouloir parler du livre du cardinal Sarah. Je pense. C'est ça dont vous faites partie, j'imagine, accès. Donc ne confondrons pas avec la fameuse couverture de Paris Match sur les cardinaux, pour laquelle elle n'a rien à voir. Je précise simplement. Mais est-ce bien le sujet de la conversation qui a eu lieu? Vous me dites qu'il n'y a pas eu de conversation? Pas qu'il y ait eu de conversation, non, parce qu'on était dans une église. Donc elle m'a dit bonjour, je suis content de vous rencontrer. Et je n'ai pas écouté, pas parlé. Vous savez, quand je suis dans une église, moi je suis assez en présence du Christ. Donc vous n'avez fourni aucune directive à Madame Saporta à cette occasion? Pardon, pas dans les églises. Et je n'ai jamais parlé de ma vie à Madame Saporta. À part ce moment où on me l'a présenté. Je reviens à la question des incarnations. Pascal Praud déclare « Je suis 100% Bolloré ». Dans cette citation même, il disait « Du temps que j'étais à TF1, j'étais 100% TF1. Du temps que j'étais à Nantes, j'étais 100% Nantes. Et désormais, je suis 100% Bolloré ». Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'il ne dit pas « Je suis 100% CNews ». Il dit « Je suis 100% Bolloré ». De la même façon, M. Morandini, se félicitant des résultats contrastés en réalité de ses émissions, dit qu'il le doit à la confiance sans faille de Vincent Bolloré. Comment imaginer que vous ne seriez pas interventionniste si ces personnes disent la vérité? Parce que c'est l'autre côté du totem, l'autre côté du paratonnerre. Heureusement, comme on me présente comme celui qui fait des choses horribles, pour les gens qui ne se sentent pas bien, les gens qui se sentent bien pensent que c'est grâce à moi qu'ils sont là. Et donc je suis très content que Pascal Praud dise qu'il est 100% Bolloré, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps il n'était pas 100% Bolloré, il était 50-50 avec RTL. Il a d'ailleurs bien fait, parce qu'il était, je crois, très proche de Nicolas de Taverneau, qui depuis quitte, ou a annoncé qu'il quittait, ou on a annoncé qu'il quittait. Mais voilà, je pense que je représente par ces 40 ans ou 45 ans de vie professionnelle, comment dit-on, le développement d'un groupe, le développement d'équipes soudées. Vous voyez, je disais tout à l'heure, il y a des gens qui m'aiment bien, il y a des gens qui ne m'aiment pas, qui généralement ne me connaissent pas, mais les gens qui me connaissent un peu m'aiment bien. Et puis je leur donne tous quelque chose qui est, je crois, la stabilité, le goût d'entreprendre. On a parlé tout à l'heure des chaînes gratuites qui perdaient de l'argent. Mais dans la batterie électrique, on a perdu beaucoup plus d'argent que dans les chaînes. Et c'est ça le principe de l'industriel, c'est qu'il accepte de remettre son argent. Ce n'est pas un financier qui, une fois qu'il a gagné de l'argent, le garde et part avec. C'est quelqu'un qui réinvestit. Et notre groupe, je l'ai dit tout à l'heure, qui est rentré dans sa 203e année, n'a cessé de réinvestir. Et je crois que c'est ça qui fait que nous avons avec nous des gens qui nous suivent et qui nous respectent, à côté des ou en face de gens qui, crédules, crois que je suis Attila, ce que je ne suis pas, je crois. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Rapporteur. Nous avons passé la
parole pour les questions aux députés membres de cette commission. Je continue pendant les prises de parole à prendre les petits signes discrets de main de manière à pouvoir inscrire. Nous redonnerons d'un commun accord au rapporteur la parole avant 16h50 pour ses dernières et ultimes questions avant de couper à 17h. De fait, je vais essayer de tenir un équilibre équitable par rapport au poids des différents groupes politiques. Je vous rappelle que bien sûr l'objet de la question doit répondre à l'objet de la commission d'enquête strictement. Bien sûr, c'est 3 minutes fractionnables, bien sûr, en deux temps si vous le souhaitez seulement. Je donne la parole dans un premier temps au vice-président Carl Olive. Merci Monsieur le Président. Je précise que je suis ancien journaliste, carte de presse 66-956, que j'ai évolué dans le domaine écrit, radio et télévisuel, public et privé, et notamment au sein du groupe Canal+, à l'époque où Monsieur Bolloré n'en faisait pas partie, et je suis 100% pur beurre breton. Monsieur Bolloré, bonjour. Merci de vous présenter à nous. En tant que vice-président de cette commission, j'ai donc l'honneur d'ouvrir le champ des questions de cette audition après notre président et notre rapporteur. La chaîne Canal+ a vu le jour le 4 novembre 1984. 5 jours plus tard, le 9 novembre 1984, vous diffusiez votre premier match de Ligue 1, Nantes-Monaco. Nantes avait gagné 1-0, mon cher collègue, commenté par Michel Denisot et Charles Bietri. À qui l'on pense ? Avec émotion. 40 ans plus tard, en breton que vous êtes, le sport fait toujours partie des deux mamelles de votre groupe avec la culture, et j'y reviendrai dans ma deuxième question. Vous avez longtemps acquis l'exclusivité des droits du football, du rugby, de la Formule 1, entre autres, mais je pense aussi à la diffusion en intégralité de certains Jeux Olympiques 24 heures sur 24. Allez-vous poursuivre dans cette voie, à l'heure où de nouveaux appels d'offres prospèrent sur le marché, sportif en général, et certains en particulier? Suivez mon regard. Merci Monsieur le Vice-président. Bien sûr, Canal est un grand soutien du sport pour une raison simple, c'est que les abonnés de Canal ont envie de voir du sport. Ils ont envie de voir du rugby, ils ont envie de voir du foot, ils ont envie de voir de la Formule 1, de l'automoto, enfin bref. Le sport est un élément essentiel de Canal et son côté direct est extraordinairement important. Donc je crois que Maxime Saada vous l'a expliqué, nous continuerons à investir dans le sport. Nous sommes aussi plateforme avec BIN, qui a aussi un certain nombre de droits. Mais évidemment, nous sommes contents des associations qui ont pu être faites avec certaines fédérations. Je pense à la Ligue de rugby, qui a été portée et qui fait que maintenant, le nombre de gens qui regardent le rugby est considérable. Je pense aussi à la Formule 1, où les circuit représente un nombre de spectateurs extrêmement important. Et je crois que c'est ça la force de Canal. C'est pas seulement d'acheter des droits et de les fournir aux personnes qui veulent les regarder. C'est tout ce qui va autour, de faire des documents sur les personnes, coureurs automobiles, footballeurs, rugbyman. Et c'est une sorte de relation de fidélité qui fait que Canal est un partenaire de long terme du sport international et du sport français, évidemment. Monsieur Carl Olive, pour votre bon. Je vais bien rebondir, Monsieur le Président. Monsieur Bolloré, l'autre mamelle du groupe Canal+, c'est la culture sur l'ensemble des 7 chaînes de la TNT. Vous l'avez dit, elle tire beaucoup de lait pour l'économie de notre pays. Nul ne saurait s'en plaindre. Sauriez-vous nous en parler ? Son modèle en termes d'emploi, son émergence en termes de création et production cinématographique. Allez-vous vous continuer à entretenir ce cercle vertueux de la culture française, vous avez commencé à l'évoquer dans votre préambule, sans être aspiré par la traite, du verbe traire, d'outre-Atlantique notamment? C'est très important le modèle du cinéma français, et c'est un des derniers cinémas qui existent en Europe parce qu'il est soutenu. J'adorais quand j'étais jeune le cinéma italien, il n'y en a plus. Enfin, c'est pas vrai parce que je crois qu'il y a un nouveau film qui vient de sortir qui est pas mal. Mais c'était extraordinaire le cinéma italien dans les années 60 ou 70. Et c'est effondré. Et donc le cinéma, ça peut s'effondrer s'il n'y a pas une vraie volonté. Et Maxime Saada et l'ensemble des équipes autour de Jean-Christophe Thierry, Laurent Acide, évidemment Gérald Brice-Viret et Franck Apieto et autres, sont des farouches partisans de l'achat de films et de la création de films. Ils aident d'ailleurs, ils suivent des gens. Vous avez vu le dernier
Anatomie d'une chute, c'est depuis, je crois, le premier, j'ai entendu dire ça, et c'est formidable. Et puis, vous avez Studio Canal. Hein, on parle de Canal en tant que chaîne, mais on oublie que Studio Canal est un producteur important qui fait énormément de films et qui contribue aussi. Donc, notre ambition, c'est de poursuivre et, en tout cas, les personnes qui ont été nommées et qui sont en charge poursuivent. Et comme vous l'avez compris, c'est mon fils Yannick qui a commencé dans le cinéma, qui a pris la présidence de Vivendi à côté d'Arnaud Puyfontaine. Et ils sont tous les deux fondus de cinéma, donc ils continueront. Merci, Monsieur le Président. Et pour la bonne information, des acteurs, des membres qui n'ont pas toujours pu venir aux précédentes auditions, le groupe Canal+ a confirmé qu'il garderait à plus de 200 millions de financements et qu'il reprenait également les engagements de financement des groupes qui ont été rachetés. Je pense notamment Orange et OCS, qui est une bonne chose pour le cinéma. Je donne la parole au Président Sébastien Chenu. Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Bolloré, merci de votre présence. Sébastien Chenu, député du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai œuvré il y a une quinzaine d'années, puisqu'il faut, je crois, le mentionner, comme directeur adjoint de la communication de la chaîne France 24. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est peut-être, c'est pas l'idée de savoir qui vous avez croisé dans un enterrement ou éventuellement à l'Olympia, mais c'est le regard que vous portez sur l'avenir du groupe et sur les éventualités possibles pour celui-ci. Et en particulier concernant la chaîne CNews. Si à l'avenir un cahier des charges devait éloigner CNews de ce qu'elle est aujourd'hui, si des contraintes nouvelles devaient être portées dans un cahier des charges et modifier le profil de la chaîne, si l'attribution d'une fréquence venait à remettre en cause l'existence même de CNews, alors comment, quelle direction prendrait le groupe, quelle orientation prendrait alors le groupe à cette lumière? Et puis une deuxième question, quel est le regard que vous portez d'ailleurs sur notre commission et sur le fait que nous n'ayons pas entendu le principal actionnaire de TF1, M. Bouygues, qui dispose lui de cette chaîne de la TNT. J'aimerais aussi avoir votre regard là-dessus. Votre micro, M. le Président. D'abord sur les nouvelles réglementations qui pourraient arriver. Nous sommes légalistes, donc de toute façon, nous les appliquerons, comme tout le monde. Ça fait, je l'ai dit, 202 ans que notre groupe existe. On s'adaptera, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Donc n'ayez aucun doute sur le fait qu'on respectera l'ensemble des obligations. Et si elles changent en cours de route, eh ben, on s'adaptera. Je crois que ça fait partie des agilités de notre groupe. En revanche, si par extraordinaire... une des chaînes du groupe Canal était retirée, je pense que ça poserait deux types de problèmes. Un premier type de problème qui est que les équipes qui sont passées pendant une journée entière vous ont expliqué que c'était un ensemble, c'est-à-dire que c'était dans une table, c'est un des piliers. Et que si vous retirez un des piliers de la table, ça pose un problème. Et le deuxième sujet, c'est que ce serait quand même une marque de défiance. Parce que qu'on le veuille ou non, et ça répond, je crois, à votre deuxième question, le sentiment extérieur, alors c'est peut-être un sentiment qui est mal interprété, mais le sentiment extérieur, c'est que le succès des chaînes de Canal et la liberté de ton de Canal gênent. Et il suffit de lire la presse, d'ailleurs, pour s'en rendre compte. Si vous allez faire un sondage sur la commission, pourquoi, comment, etc. Voilà, moi, je ne le crois pas du tout, hein, personnellement, mais c'est le sentiment que ça donne. Et il ne faudrait pas que les gens de Canal... Maxime Sada, j'en ai fait des... J'ai donné un certain nombre d'éloges, mais il a un gros défaut. Il est extraordinairement susceptible et paranoïaque. Voilà. Et... enfin, attendez, c'est peut-être pas un défaut parce qu'il y a un livre américain qui est « Pourquoi les paranoïaques sont les seuls à survivre ?» Donc peut-être que c'est pour ça qu'il survit. Mais je pense que ce serait une marque de défiance qui serait extraordinairement importante, en dehors du problème de la liberté d'expression, parce que c'est ça dont on parle ici, c'est ça dont parle cette commission. Moi, vous savez, je ne suis pas un perdreau de l'année, je vois bien comment ça se passe. Vous savez, c'est comme à l'école... on veut vous faire sortir, alors on commence par dire que votre composition de français n'était pas bonne, et puis après ceci, puis après cela, puis après il y a un blâme, et puis après il y a un machin, et on sait qu'on est sur le toboggan des problèmes. Bon. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, je suis le seul convoqué, bon, mais je suis très honoré d'être devant la représentation nationale, et en plus, je trouve que c'est une belle salle, et que on parle sans phare, et c'est important de parler sans phare.
Mais donc, voilà, le sujet est un sujet sérieux parce que c'est un sujet, on parle de démocratie, et c'est important. On parle du premier groupe français, premier groupe européen, qui dit par ses équipes, Leclerc fait partie de notre ensemble, et donc vous viendriez le déséquilibrer. Et puis je crois que ce serait pris comme une gifle. Voilà, ce que ça a d'ailleurs l'intention d'être, j'imagine. Donc je pense que ça posera problème. Moi, en ce qui me concerne, je suis un optimiste. C'est-à-dire que je pense que, de toute façon, le groupe s'adaptera. On ne va pas s'arrêter parce que le directeur a dit qu'on n'était pas gentil. Je veux dire, c'est malheureusement... voilà, nous ne sommes pas dans le verbe. Nous sommes dans la réalité économique. Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 80 000 salariés. On est responsable d'eux. On ne va pas faire des colères parce que des gens ne sont pas contents. Mais j'alerte. Je pense que le groupe Canal, c'est un groupe qui a traversé une grosse épreuve, est vraiment devenu un protagoniste international. Maintenant, les gens parlent de Canal. C'est une des seules marques françaises dans les médias qui est réputée dans le monde entier, connue dans le monde entier, puisque les autres marques françaises ne vont pas d'aller à l'étranger. Et je pense que vous devriez voilà, plutôt choyer votre champion national. Surtout que je vous dis, moi, à mon âge et avec ma date, si c'est moi qui vous déplaît, de toute façon, ça ne va pas durer longtemps. Donc la biologie va faire que de toute façon... voilà, à un moment, vous me recevrez, je ne reconnaîtrai personne. Donc, bon. Donc, si c'est que moi, ce n'est pas grave. Si c'est Canal, c'est plus embêtant. Et c'est pour ça que je pense que, comme ils vous ont dit qu'ils voulaient absolument tout renouveler, je pense que ce serait positif d'aller dans ce sens. Enfin, moi, je ne me mêle pas, mais je dis ce que je pense. Message reçu, M. Chenu. C'est bon pour vous. Je donne la parole à Mme Ségolène Amiot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bolloré, Monsieur Éric Zemmour, que vous avez personnellement choisi d'installer à l'antenne de CNews, a déclaré sur LCI le 19 janvier 2022 à votre sujet, je cite, « Pour en avoir discuté avec lui, Vincent Bolloré est très conscient du danger qui nous guette, du danger de civilisation, du danger de remplacement de civilisation. Il veut léguer à ses enfants et à ses petits-enfants la France telle qu'on lui a léguée. » À son intervieweur qui lui demande s'il y a chez vous le sentiment d'une mission politique menée par votre groupe de médias, Éric Zemmour acquiesce et abonde en répondant « Moi je trouve ça noble, je préfère quelqu'un qui est patriote et je lui rends hommage ». Alors mes deux premières questions, Monsieur Bolloré, menez-vous une mission politique à travers votre groupe médiatique, premièrement? Deuxièmement, la programmation des nombreux programmes religieux, quasi exclusivement dédiés au catholicisme, serait-elle purement fortuite et sans aucune portée idéologique? Et je tiens à préciser, puisque j'ai un tout petit peu de temps et que je l'ai entendu derrière moi il y a quelques minutes, je n'ai absolument aucune animosité envers la religion catholique. Je suis moi-même catholique, croyante et pratiquante. Pardon. D'abord, je n'ai pas choisi Éric Zemmour. Vous dites, vous avez choisi de mettre à l'antenne Éric Zemmour. C'est complètement faux. Ils vous l'ont dit d'ailleurs. C'est Gérald Brice-Viret et Serge Nedjar qui ont choisi de mettre Éric Zemmour à l'antenne. Accessoirement, tout le monde voulait mettre Éric Zemmour à l'antenne à l'époque. C'était quelqu'un qui vendait des centaines de milliers de livres, qui était recherché par toutes les chaînes, et tout le monde voulait le faire venir. Voilà. Moi, j'ai déjeuné avec lui comme je déjeune avec beaucoup de monde. Et j'ai trouvé que c'était un garçon qui avait des idées dans ce qu'il exprimait à l'époque extraordinairement clair et qui était compréhensible par les gens de la télévision. Et quand les gens de Canal l'ont choisi, donc c'est pas moi du tout qui l'ai mis à l'antenne. Il a été mis à l'antenne parce que tout le monde voulait le mettre à l'antenne. Il était d'ailleurs sur la 6 et sur le service public, je crois, en tout cas sur la 6. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses... qui revient au sujet essentiel que vous avez évoqué, c'est qu'il ne faudrait pas prendre des petits bouts de phrases de différentes personnes qui parlent à l'extérieur et me les coller sur le dos. Parce que je suis un grand garçon et que je suis capable de m'exprimer. Voilà, donc sur ce que je suis et ce que je veux faire. Donc il ne faudrait pas prendre des petits bouts et enfin on voit comment ça marche et après on fait une thèse. Moi je suis, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis démocrate chrétien. Alors, démocrate, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire que je suis à respecter les élus de la nation. Voilà. Et l'avis de la nation. Après, cet avis, je le trouve bon, je le trouve mauvais, je le trouve moyen, je le trouve... Voilà, je suis pour la démocratie. On a toujours été pour la démocratie dans ma famille. Je vous ai dit l'autre jour,
enfin tout à l'heure, que voilà, j'avais des tas de gens qui avaient fait des guerres extraordinaires, mais si vous remontez au Moyen-Âge, les Bolloré, ils venaient se battre contre les envahisseurs de l'époque, qui étaient anglais, espagnols, etc., et on les appelait, ils protégeaient des rivières. Enfin, je vous raconterai tout ça un jour si ça vous intéresse, mais donc coule dans mes veines un sujet de démocratie. Et je ne supporte que les gens qui sont démocratiques. Et je suis moi-même démocratique. Et puis après, il y a le mot chrétien, qui est pas un vilain mot. La chrétienté, c'est la charité, c'est l'espérance. Et là aussi, ça coule dans mes veines. En novembre 18, mon arrière-arrière-grand-père, général Francfort, est mort en servant la messe, canonné dans l'église Saint-Gervais par la grosse Bertha. J'ai un arrière-arrière-grand-père qui était à Nantes procureur en 1880, qui a démissionné parce que on va devoir se contenir des réponses courtes, même si c'est très très important. Non, mais je l'explique. Donc sur la question effectivement projet, voilà. qui avait déjà été posée de votre projet politique et idéologique, voilà. Y en a-t-il un ou est-ce un fantasme? Mais si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis obligé, excusez-moi, de rentrer dans cette intimité, parce que comme je lis partout ailleurs, etc., le truc, le machin, c'est effrayant. Ça fait peur quand vous lisez sur vous. Vous voyez, je suis tranquillement en Bretagne ou sur la Méditerranée et je lis des journaux ou des petites lettres qui racontent que machin, que truc, que j'ai un projet. Bon, franchement, alors certains journaux, vous savez, je ne serais pas fier à leur place parce que ce sont des journaux qui ont été achetés ou qui sont subventionnés par des gens veulent ne pas avoir de mauvaise image. Voilà, Libération, je crois, 38 millions, ils reçoivent, on ne sait pas pourquoi, de Daniel Kretinsky, que j'aime beaucoup par ailleurs, d'ailleurs, qui est un type tout à fait intéressant et francophile. Mais voilà, donc, j'aimerais beaucoup qu'on écoute ce que je dis. C'est pour ça que, Monsieur le Président, pardon, voilà, je suis démocrate, chrétien, j'ai aucun projet idéologique, et si j'en avais d'ailleurs, les chaînes de Canal seraient effondrées depuis longtemps. Voilà, il y a heureusement dans notre pays une pluralité, il y a des gens différents, mais je suis, je vous dis, tout doux et débonnaire. Et pas du tout un Attila. Ça le mérite d'être clair, Madame Amiot. Merci, Monsieur le Président. Alors, je relève quand même ce que vous venez de dire, et c'était fort intéressant. Si je ne crois pas dans quelque chose, je ne le mets pas dans mes antennes. J'entends du coup que si vous croyez en quelque chose, vous le mettez dans vos antennes. Mais du coup, puisque nous abordons aussi donc, le sujet de votre groupe de médias, au sujet du rachat notamment de Lagardère, dont vous n'êtes pas encore propriétaire, puisque la Commission européenne n'a pas encore tranché à ce jour, je m'interroge, est-ce que vous avez l'intention, par exemple, de racheter Le Parisien ? Est-ce qu'il existe, comme on peut l'entendre, un pacte avec M. Bernard Arnault ? Et ce pacte implique-t-il de lui céder Paris Match ? Rappelons du coup le début de la phrase, à savoir Paris Match, vous n'en êtes pas encore propriétaire. Pardon, d'abord, excusez-moi, Madame la députée, puisque vous représentez le peuple et que je suis démocrate, comme je l'ai dit tout à l'heure, je respecte ce que vous dites, mais c'est un tout petit peu spécieux. Je ne vous ai pas dit que si j'avais quelque chose, je ne mets rien parce que j'ai rien en tête. J'ai dit, non seulement je ne mets rien, mais en plus je suis démocrate chrétien. Donc ça me serait compliqué pour moi d'aller mettre des choses auxquelles je ne crois pas. Ça, c'est la première des choses. Sur les histoires de religion et autres, je vous rappelle qu'on avait créé les Enfants d'Abraham, mon fils Yannick l'avait monté, avec les trois religions, et qui a été supprimé par Canal quand on lui a vendu. Mais on était pour. Et je vais vous raconter aussi, simplement pour vous donner notre proximité avec le monde musulman. Non seulement j'ai beaucoup d'amis musulmans avec qui je vis en paix et en fraternité, mais figurez-vous que le commandeur des croyants descendant du prophète, Mohamed V, à la fin du milieu des années de 50, en France, ne savait pas où aller. Il avait été exilé par votre pays, par notre pays, et il ne savait pas où revenir. Et il est venu chez nous. Et il a habité dans notre propriété de Garches-Vaucresson en novembre 55. Et nous sommes restés extrêmement amis avec cette famille et ce descendant du prophète, puis son fils qui était là, et maintenant, bien sûr, le fils de son fils qui est sur le trône. Donc, c'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas parler des autres religions. Et au contraire, je pense qu'on vit en paix, qu'on peut vivre en paix, qu'on doit vivre en paix, que c'est essentiel de vivre en paix. En ce qui concerne Lagardère, nous sommes propriétaires de Lagardère. Le groupe Vivendi a eu l'autorisation de la Commission européenne. Et simplement, Arnaud Lagardère est un garçon absolument remarquable, courageux, fidèle, et il est à la tête de son groupe qui restera indépendant,
D'abord parce qu'il a d'autres actionnaires que nous, mais ensuite parce qu'il gère très bien son groupe. Et vous verrez, la valeur des actions Lagardère dans 3 ans ou dans 4 ans sera tout à fait remarquable. En ce qui concerne Paris Match et Bernard Arnault, puisque c'était votre question et que j'essaie de répondre vite, mais vous me revenez si jamais vous trouvez que je n'ai pas été assez disert. Je connais Bernard depuis 40 ans, on a commencé ensemble. Bon, il a réussi mieux, mais tant mieux. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Et c'est pas un secret, il a envie de match. Voilà, il aime les belles choses, il aime les choses importantes, et il trouve que Match est un magazine important. Et c'est vrai que Match est un magazine important. Bon, Arnaud Lagardère a des dettes trop importantes. Il a envie de développer le travel retail et l'édition. Et il est tombé d'accord avec Bernard Arnault pour rentrer en conversation exclusive et discuter de tout ça. Donc moi, je trouve ça extrêmement bien, puisque vous avez d'un côté quelqu'un qui a envie de l'avoir et de l'autre côté, quelqu'un qui est prêt, si le prix est bon, à s'en séparer, malgré sans doute la peine que ça lui fait. Mais votre question n'était pas celle-là. Elle était, y avait-il un accord secret, un engagement ? Alors, il y avait zéro accord. On n'a signé rien, jamais, et je n'étais tenu de rien. Et tous les gens qui sont autour de Bernard et autour de moi le savent. Nous avons pris la majorité de Lagardère. Il a des titres qu'il peut vendre ou acheter, mais nous sommes majoritaires et il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Si vous avez plus de 51, c'est vous qui dirigez. Donc nous n'étions engagés et forcés à rien, et nous ne sommes forcés à rien. Mais je vous redis, c'est un garçon remarquable et je suis sûr qu'il fera de Match quelque chose d'exceptionnel, comme tout ce qu'il a fait. Merci, Monsieur le Président. Bien reçu. On va avancer pour le Parisien rapidement. Le Parisien n'est pas à vendre, à ma connaissance. Pardon, ben j'ai pas. Redites-moi votre question. Est-ce qu'il s'est engagé à vendre le Parisien ? Il y a un accord. Eh non. Alors, réponse non. Est-ce que vous avez l'intention de procéder à l'achat du Parisien ? Mais je vous dis, comme le Parisien n'est pas à vendre, c'est pour ça que ma réponse était bonne. Pardon, ma réponse était bonne. Il n'y a pas de discussion, évidemment, sur le Parisien. Il n'y a pas d'engagement sur le Parisien. Et moi, les choses qui ne sont pas à vendre, je ne commence pas à en rêver. Déjà, les choses... Donc, ce n'est pas à vendre et il n'y a pas de discussion. Je donne la parole à M. Laurent Esconé-Cox. Merci, M. le Président. M. Bolloré, je n'interviens en tant qu'aussi vice-président de cette commission d'enquête. Un clin d'œil à mon collègue. Une première question sur laquelle je rebondirai. Comment concevez-vous la liberté d'expression et d'enquête des journalistes, notamment au sein de votre groupe, qui compte de nombreux médias, dont 4 chaînes de la TNT ? Bah écoutez, les journalistes sont entièrement libres, comme partout, évidemment. Merci pour cette réponse brève, ça me permet d'enchaîner. Donc, si je vous ai posé cette question, c'est parce que je m'inquiète de la très longue liste des procès que vous avez intentés aux journalistes de notre pays ou d'ailleurs, que ce soit sur la TNT ou ailleurs. On a rappelé tout à l'heure le numéro de complément d'enquête d'avril 2016 diffusé sur la TNT publique. Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien. Reportage d'ailleurs récompensé d'un prix Albert Londres en 2017. Vous avez intenté pas moins de 5 procédures en justice en France. Vous avez été pour chacune débouté. De façon transversale, le journal Basta, en 2012, publie une enquête sur les activités de plusieurs groupes en Afrique. Vous intentez alors 2 procès. Étant le seul groupe incriminé à le faire, vous les perdez tous les deux. En 2015, Mediapart, l'Obs, Le Point relaient un article de React sur vos activités camerounaises. Vous leur intentez un procès que vous perdez à nouveau. En 2016, il semble que l'avocat n'est pas bon. En 2016, une nouvelle enquête de Mediapart accuse votre société d'avoir ruiné 2 entreprises camerounaises. Vous intentez un procès, vous le perdez en appel. Je termine avec ça. En 2017, 2 journalistes publient un livre sur vous. Vous les attaquez pour la publication de cet ouvrage, procès qui se retourne contre vous et vous vaut une condamnation pour procédure abusive. Voilà le sens de mon propos. Ces actions en justice sont très nombreuses et vous ont rapporté de nombreuses critiques. Elles vous ont valu notamment une réputation d'expert en procédure dite Bayon. Ces procédures qui ont pour objet de faire taire les journalistes en les assommant sous des procès coûteux que tous n'ont pas le moyen d'honorer. On est là sur un sujet transversal qui ne touche pas que la TNT. Pour rappel, le petit média Basta a ainsi dépensé 13 000 euros pour se défendre de vos accusations et France Télévisions, sur la TNT, y a perdu en frais de justice plusieurs centaines de milliers d'euros payés par le contribuable à la fin. Des sommes jamais récupérées par vos revers judiciaires. Sachez que je ne reprends pas à mon compte ces accusations, car le droit à ester en justice est un droit fondamental et vous avez, comme tout un chacun, le droit de vous défendre contre toute accusation. J'avoue toutefois ne pas comprendre les motivations de tous ces procès, car en homme d'affaires aguerri, vous l'avez dit tout à l'heure, je suppose que vous êtes très bien entouré et j'imagine que vos avocats ne pensaient pas que chacun de ces procès
tous perdus puissent être remportés. En conséquence, quelles sont vos motivations à de telles procédures? Et en définitive, ne considérez-vous pas que la liberté des médias, dont la TNT, s'arrête là où commence votre intérêt économique? En ce sens, trouveriez-vous légitime, c'est ma deuxième question, qu'un journaliste de votre groupe puisse mener une enquête sur une entreprise dans laquelle vous auriez un intérêt? Je vous remercie. Alors, sur la deuxième question, il n'y a évidemment aucun problème. Les journalistes font ce qu'ils ont à faire dans le cadre du travail et de ce qui intéresse les abonnés. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, sur la première question, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Nous gagnons l'essentiel de nos procès. Et à chaque fois, il est indiqué qu'il y a diffamation. Je vais vous dire pourquoi après on en fait. Et à chaque fois, il est indiqué que ces propos présentent un caractère. J'ai une note que je lèverai à l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée, si vous voulez bien, de la commission, qui a été fait par nos juristes, parce qu'on pensait bien qu'il y allait avoir une petite question là-dessus, donc ils me l'ont préparé tout à l'heure. Donc, en fait, pratiquement à chaque fois, ils gagnent, et à chaque fois, la Cour reconnaît qu'il y a diffamation. Mais, à chaque fois, la Cour, ou souvent, dit qu'il y a diffamation de bonne foi, c'est-à-dire que les gens n'ont pas eu le temps de vérifier, etc. Et alors, pourquoi est-ce que le groupe fait, ou faisait, puisque maintenant, comme vous savez, nous sommes sortis de l'Afrique, donc nous n'avons plus ce genre de problème. Eh bien, parce que quand on vous accule de quelque chose et que vous ne réagissez pas, vous avez des services chez vos clients qui posent problème pour continuer à travailler avec vous. Et donc, vous êtes obligé d'aller, quand vous jugez que les choses qui vous sont reprochées ne sont pas justes, devant la Cour. C'est une nécessité. Parce que qui ne dit mot consent, comme vous le savez. Donc la plupart des procès, en effet, les services juridiques, en ce qui concerne ceux-ci, les font. L'essentiel gagne, mais à la fin, ça n'a pas d'effet, puisque c'est diffamation de bonne foi, et ça vient protéger les journalistes et les investigateurs, ce que je trouve très bien en ce qui me concerne. Je livre ça au bureau de l'Assemblée. Pardon, si je peux finir sur votre question, puisque c'est, vous l'avez posée, voilà. Et je reviens sur ces histoires dont vous parlez tout à l'heure, qui sont quand même extraordinairement injustes, parce que moi, je suis allé pour la première fois en Afrique il y a une quarantaine d'années, et je suis tout de suite tombé afro-optimiste par rapport à ce continent. C'est-à-dire que j'ai pensé que, de la même façon que j'avais vu la Chine, qui était rien du tout quand j'y allais devenir une puissance importante pour être aujourd'hui la deuxième ou la première puissance mondiale, pourrait aller en Inde. M. Bolloré, il faut vraiment que vos propos soient... Vous êtes sûr de la pertinence par rapport à la réponse? D'accord, mais la réponse, c'est que je dis simplement, étant afro-optimiste, nous avons construit là-bas beaucoup de choses. J'explique pourquoi, comment c'est arrivé. Voilà. Nous avons construit énormément de choses là-bas à la satisfaction des gens avec qui nous avons travaillé. Nous avons construit des maillages qui ont permis aux nourritures d'arriver, aux biens d'arriver, etc. Par rapport à ça, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas envie que ces choses-là arrivent, qui se sont mis à faire tout un charivari sur cette... Bon. Monsieur Bolloré, je suis désolé parce que le temps est contraint. Je suis désolé pour votre réponse. Je donne la parole à Mme Taillé-Polian. Merci, Président. Monsieur Bolloré, merci de vos propos parce que je les ai écoutés avec beaucoup d'attention et plutôt que de citer des propos antérieurs, je me permets de reprendre les quelques éléments que vous avez dit ici même devant nous. Ma collègue l'a déjà rappelé, vous venez de dire « si je ne crois pas dans quelque chose, je ne le mets pas dans mes antennes ». Finalement, c'est une façon un petit peu bizarre de parler à la première personne pour quelqu'un qui n'a aucun rapport avec ce qui passe à l'antenne, qui ne s'occupe de rien. Mais ne trouvez-vous pas étrange de parler de vos antennes pour des chaînes TNT qui sont des services d'intérêt général? Finalement, c'est là, je crois, notre différence peut-être de conception. Ma question, ma première question, mon collègue vous a interrogé sur le problème que ça poserait que Canal+ soit renouvelé et pas CNews, par exemple. Et puis là, vous avez dit que ça poserait problème et on n'a pas bien compris pourquoi. On a même peut-être à un moment donné cru lire une forme d'attention, de petite pression, attention, hein, parce que c'est un édifice complet. Mais pourquoi? Pourquoi ce serait embêtant que CNews n'ait pas, par exemple, le renouvellement de la TNT alors qu'elle perd de l'argent et que le groupe Canal+, lui, ne serait pas inquiété, elle ne serait pas inquiétée? Pourquoi ce serait un problème? Au nom de quoi? Si l'ARCOM, en tant qu'autorité indépendante, en décide ainsi? Je reviens d'abord sur votre premier commentaire, que je ne suis pas du tout d'accord avec vous. La question qui était indiquée, c'est on vous reproche d'être quelque chose et de le mettre sur vos antennes. Donc j'ai répondu
D'abord, je ne remets rien sur mes antennes. Ça a été pendant 20 minutes ce que j'ai expliqué. Ce n'est pas mes antennes, c'est un groupe. Il y a des responsables, etc. Et je reprenais l'intitulé de la question qui était « Le mettriez-vous sur vos antennes ?» pour dire, de toute façon, je ne pense pas ce que vous croyez que je pense. Je suis démocrate chrétien. Donc, ne transformez pas le langage. C'est important. Sur la deuxième question qui est « Qu'en est-il du non-renouvellement ou du renouvellement ?» Attendez, ce n'est pas moi qui suis décisionnaire, c'est l'ARCOM. Voilà, l'ARCOM fait ce qu'il a à faire. Je dis simplement, voilà, si par extraordinaire ça arrivait, je pense que ça poserait problème à Canal. Je ne vais pas vous dire c'est indolore, ça ne pose aucun problème. Je suis là pour dire la vérité. D'abord, c'est une obligation sous serment. Et ensuite, je connais les gens qui sont chez Canal, je connais les entreprises, je sais ce qu'il en est. Ce n'est pas du tout une pression ou quoi que ce soit, c'est de dire simplement ça poserait problème. C'est tout. Madame Taillé-Polion. On n'a pas bien compris quel problème ça poserait. Vous avez dit également tout à l'heure, CNews raconte la vérité. Or, CNews a été encore une fois épinglé par l'ARCOM hier parce que M. Pascal Praud avait lié immigration et punaise de lit. Je ne fais pas la liste de toutes les demandes de l'ARCOM, de rectification, etc., jusqu'à aller à des sanctions assez exemplaires. Donc, je crois que non, M. Bolloré, il arrive, et c'est souvent et c'est régulier, que CNews ne raconte pas la vérité. Et je m'interroge parce que vous avez dit deux choses qui semblent contradictoires dans vos propos. Vous avez dit, on ne va pas s'arrêter parce que le directeur n'est pas gentil, il nous fait des remarques. Alors là, pour le coup, l'ARCOM, c'est un peu le directeur, hein, il vous a fait des remarques, donc vous n'allez pas vous arrêter. Ben, d'ailleurs, vous ne vous êtes pas arrêté. Mais par contre, vous avez dit d'un autre côté, nous sommes légalistes. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi, sur vos chaînes, vous laissez poursuivre des activités qui sont clairement contraires à la loi, puisque le pluralisme n'y est pas respecté, et les fake news y sont légion, et je tiens à votre disposition, mais je suis sûre que vous l'avez, la liste des différentes remarques, sous différents types d'ailleurs de sanctions ou pas, qu'a fait l'ARCOM à ce titre. Et puis vous avez dit, CNews c'est un espace de liberté. Je disais à M. Praud la semaine dernière à quel point, en fait, on ne peut pas parler d'espace de liberté quand un invité se fait couper sans arrêt la parole et ne peut pas aller au bout d'une phrase. Donc je ne crois pas que CNews soit un espace de liberté non plus. Seule Madame Taillé-Polian avait la parole, et maintenant seul Monsieur le Président Vincent Bolloré a la parole. Je redis, pour pas que vous me disiez que ce sont mes chaînes, ce ne sont pas mes chaînes. Donc vous ne pouvez pas à la fois me dire vos chaînes, je réponds oui dans mes chaînes, machin, et vous me dites mais vous, c'est vos chaînes. Non, ce ne sont pas mes chaînes. Ce sont des chaînes gérées par des gens qui ne sont d'ailleurs pas le service public, qui sont simplement des chaînes qui ont des conventions. Et l'ensemble, aujourd'hui, des conventions qui existent sont respectées, de ce que je sais. Voilà. Donc ils respectent la loi intégralement, que vous le vouliez ou pas. Et d'ailleurs, l'arrêt du Conseil d'État, que j'ai lu, le confirme. Je donne la parole à Mme Fabienne Colboc. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bolloré, de par votre expérience à la tête du groupe Canal+, et aujourd'hui en tant que conseiller du président du même groupe, acteur majeur du paysage audiovisuel français sur la TNT, comment appréhendez-vous la fin prochaine des autorisations de diffusion pour 6 de ces chaînes en 2025? Dans ce contexte, quelle est votre analyse des enjeux liés à la procédure de renouvellement des autorisations par l'ARCOM, notamment en termes de respect des obligations légales et contractuelles et de l'adaptation de ces engagements à l'évolution des attentes des téléspectateurs et aux défis posés par le numérique? En outre, comment envisagez-vous la contribution du groupe Canal+ à la diversité, au pluralisme et à l'innovation dans les contenus de l'offre de programmes proposés? Et dernière question, quelle est votre vision du pluralisme et quelle stratégie adoptez-vous pour la garantir? Et est-ce une des priorités du groupe? Je vous remercie. Je suis désolé parce que je ne suis pas conseil du président de Canal, mais du président de Vivendi. Et je ne suis pas capable de répondre aux questions que vous m'avez posées qui concernent les chaînes de Canal de façon très substantielle. Je ne suis pas capable, malheureusement. Je ne me cache jamais, mais je ne sais pas si vous pouvez refaire votre question d'une autre façon pour que je puisse y répondre. Là, je suis un peu gêné parce que je ne sais pas quoi vous dire. Si ce n'est de reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez quand même nous donner votre vision du pluralisme? Le pluralisme, c'est la capacité d'aller... Le pluralisme, c'est la capacité d'avoir l'ensemble des opinions qui sont
exprimer. Et comme vous le savez, l'ARCOM l'a indiqué, CNews respecte ses temps de parole. Alors peut-être qu'après, les règles vont changer et que ce ne sera pas simplement les temps de parole des journalistes. Et je vous ai dit, nous sommes légalistes et forcément, nous nous adapterons à ce qui sera demandé. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas le respect des obligations qui ont été imposées. Allez-y, même que le... Est-ce un sujet qui revient régulièrement au sein du groupe ? Vous êtes quand même proche du groupe Canal+, même si vous n'êtes pas à sa tête et pas conseiller du président. Est-ce une des priorités ? Comment est envisagé par rapport à justement les, tout ce qui est dit autour notamment de CNews, mais notamment des chaînes d'information ? Comment est traité ce sujet, sérieusement ou pas ? Est-ce que, voilà, comment... un sujet qui fait parler et qui est important, notamment dans les procédures légales d'attribution par l'ARCOM pour les chaînes de la TNT. Non, Maxime Saada vous l'a dit, je crois qu'il a clairement envie de développer la partie française de Canal et la partie gratuite, claire, qui correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à un ensemble consubstantiel, enfin c'est un ensemble substantiel du groupe. Moi, je pense que les dirigeants qu'il a nommés, et que je connais un peu, sont de qualité. Et la preuve en est, c'est le succès de ces chaînes. Ce qui dérange aujourd'hui, en fait, je veux dire, ces chaînes auraient très peu d'audience. Vous n'en parleriez pas, personne n'en parlerait. Donc ça prouve que les dirigeants sont, je crois, compétents et que c'est une vraie ouverture. Moi, je suis très frappé de voir à quelle vitesse ça monte. Donc je vous dis, le vrai sujet, c'est de savoir est-ce que vous avez envie d'encourager un grand groupe français qui, par ailleurs, fait des développements internationaux, ou est-ce que vous voulez que ce soit, je ne sais pas qui vienne et qui prenne la place. Je ne sais pas, moi, c'est pas mon... Je vous dis, nous, on s'adaptera. Et puis, vous l'avez compris, notre groupe est d'abord extraordinairement important dans d'autres métiers. Nous sommes le premier actionnaire aujourd'hui du premier groupe musical dans le monde. C'est là aussi, nous y avons travaillé. Je vous ai raconté l'histoire de Canal, comme je vous ai raconté l'histoire des sachets à thé. À chaque fois, la création de notre groupe, c'est ça. C'est en 10 ans, en 20 ans, on part de quelque chose qui est dans un certain état et avec des équipes et des caps qui ont été fixés, on est capable d'aller les transformer en grands champions. Et puis après, de temps en temps, on les marie, on les vend à d'autres. Merci, M. Bolloré. On comprend, du coup, vous ne pouvez pas, par vos fonctions actuelles, répondre précisément à la question que vous êtes plus long. De manière exécutive, présent dans le groupe, Monsieur Jean-Jacques Gauthier. Merci, Président. Dans un monde audiovisuel hyper concurrentiel, en pleine mutation, on a aujourd'hui une offre de contenu qui a été facilement multipliée par 100 par rapport à il y a 20 ans. Rien qu'en France, c'est plus de 70 titres de presse, plus de 1000 radios, plus de 200 chaînes de télévision. Mais on a aussi une captation des recettes publicitaires par les grandes plateformes américaines, les géants du numérique, et donc nécessité d'avoir effectivement de grands groupes, un grand groupe national, de grands champions et des actionnaires qui investissent. Je pense que les représentants de la nation sont fiers que de l'objectif fixé par le groupe Canal+, d'intégrer le top 5 des acteurs mondiaux en 2030, des contenus payants. Ceci étant, qui dit grand groupe dit forcément concentration des médias. Vous me voyez venir. Et le respect du pluralisme est aussi une des conditions de la démocratie. Alors, comment concilier les deux ? À la fois concentration des médias pour avoir une activité économique rentable et respect du pluralisme, sachant que le contrôle de la concentration des médias en France aujourd'hui est, à mon sens, à la fois très complexe et obsolète. Comment le moderniser, selon vous ? Ça me permet d'ailleurs aussi de dire que la Commission des affaires culturelles et de l'éducation a apporté une mission d'information avec Iñaki Etxaniz et Isabelle Roche, notamment sur l'évaluation de la loi Bloche, et que ce sont des travaux extrêmement importants. Monsieur le Président Bolloré, vous avez la parole. Canal, aujourd'hui, si on regarde et qu'on fait l'addition de toutes ces audiences, ce n'est pas extraordinaire. CNews doit faire à peu près 3% maintenant. C8 fait à peu près 3,5% ou 4%. C-Star fait 1%. Et Canal, par nature, avec toutes ses chaînes, doit faire 1%. Donc, si vous voulez, on représente 10%.
face à un TF1 avec toutes ses chaînes qui doit en représenter 30 ou 40 et un La 6 avec toutes ses chaînes qui en représente 20 ou 30 puisque ils ont commencé par dire que la TNT ne marcherait pas, puis quand ils ont vu que ça commençait à marcher, ils se sont créés TMC, etc. Ils les ont rachetés, la W9 et compagnie. Donc je ne crois pas que nous puissions dire qu'on représente une audience trop importante. Voilà. Maintenant, moi, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que je trouve qu'en allumant la télé, il y a énormément de choix, énormément de pluralisme et que... il y en a pour... ce pluralisme existe aujourd'hui en France. Et puis après, les différentes opinions, je pense, sont exprimées à droite à gauche. Alors là, je vous donne mon avis en tant que téléspectateur. Et puis, évidemment, on ne parle pas de tout cet univers extraordinairement important qui est l'univers du net, qui n'est pas sous ce contrôle ici présent et qui est en train de monter de façon extrêmement importante. Donc je crois que ce n'est pas ce qui nous menace aujourd'hui, la concentration, dans les positions actuelles telles qu'elles sont. Et je ne crois pas particulièrement que c'est Canal qui menace quoi que ce soit, surtout que le centre de gravité de Canal, vous l'avez entendu tout à l'heure, est en train, par obligation, de se passer à l'international avec de la croissance, parce que quand vous lancez un film, une série, si vous avez 100 millions d'abonnés, c'est plus facile de l'amortir que si vous en avez 25. Et que nos concurrents, aujourd'hui, sont plutôt à 100 ou 200 millions d'abonnés, alors que, vous l'avez entendu, on espère aller à 50 dans les 18 mois qui viennent. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Jean-Jacques Gauthier, vous avez... Est-ce que le groupe, au vu de ses objectifs de développement, d'aller chercher de nouveaux marchés, de perspectives de croissance externe, est-ce que vous êtes gêné par les règles actuelles sur le contrôle, notamment sectoriel, de la concentration des médias? Est-ce que vous êtes gêné pour vos perspectives de développement? Est-ce que vous êtes favorable à une certaine évolution? On a de grands acteurs audiovisuels privés qui ont souhaité une évolution en la matière. Est-ce que c'est le cas chez vous? Bon, je pense qu'il faut demander à Maxime Saada ou Gérald Brice-Viret ou les gens qui s'occupent des chaînes. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une gêne dans le développement de Canal à l'international. Je pense qu'il y a un problème qu'on aborde ici, je le dis sans se cacher, de la situation de liberté de Canal et de ses différentes filiales. Mais je ne crois pas qu'il y ait de problème réglementaire qui bloque. Et c'est pour ça que je vous dis, si jamais il y a des nouvelles réglementations, de toute façon, le groupe Canal s'adaptera comme il a toujours fait depuis sa création. Merci pour cette réponse courte. Je donne la parole à M. Jérôme Gatch. Merci, Monsieur le Président. Moi, comme à chacune de ces auditions, je vais m'en tenir stricto sensu à l'objet de celle-ci. Alors, puisque tout le monde a dit d'où il parlait... vous le premier, hein. Moi je suis un socialiste, républicain, universaliste, laïque et attaché au droit. C'est ma première question. Sans être Attila comme chef d'entreprise, comme homme d'affaires, si un de vos partenaires avec lequel vous êtes lié par contrat ne respecte pas de manière régulière les termes de ce contrat, j'imagine que vous vous posez des questions sur le renouvellement de celui-ci. Vous avez dû dénoncer plein de fois dans votre vie des contrats commerciaux ou des partenariats. Or, les chaînes du groupe cumulent à elles seules une écrasante majorité des sanctions que le juge de l'audiovisuel a pu être amené à prendre, 41, vous avez mentionné notamment les sanctions financières. Et donc, ma question, c'est comme juriste de formation et légaliste, vous nous l'avez dit, comprendriez-vous que le non-respect de ces obligations puisse se traduire par un non-renouvellement? Et la question corollaire, c'est qu'avez-vous fait dans le passé pour mettre un coup d'arrêt à la multiplication de ces sanctions? Par exemple, on aurait pu imaginer, comme dans toute boîte, que la modulation des rémunérations ou des contrats liés aux producteurs soit indexée sur l'existence de ces sanctions. Est-ce qu'il y a eu ce genre de recherche d'incitation? Parce que la question que l'ARCOM va se poser et que nous posons sur la réflexion du cadre juridique, c'est comment mesure-t-on l'intention d'un gestionnaire, d'un exploitant, pour réduire ce qui est malheureusement des non-respects, contrairement à ce que vous avez dit, de la convention qui vous lie, puisque vous y avez été sanctionné régulièrement.
je vais vous dire le fond de ma pensée, puisque de toute façon, c'est l'obligation en cet endroit. Je pense que les chaînes de Canal sont scrutées à la loupe, que par des tas de gens qui ne souhaitent pas, pour des raisons diverses, soit de concurrence, soit de... je sais pas. En tout cas, n'ont pas envie qu'elles demeurent, scrutent à la loupe et font tout un bruit considérable auprès de l'ARCOM en disant « Regardez, c'est affreux, etc. etc. » Donc, je pense qu'il y a un dossier qui est préparé depuis un certain temps qui a pour but, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant du lycée où tout d'un coup, on vous fait un... voilà, petit à petit, on vous dit que vous n'avez pas rempli vos obligations. Voilà. Je crois que c'est « Qui veut noyer son chien prétend qu'il a la rage. » Voilà, je pense que c'est scruté et que l'ARCOM reçoit tout d'un coup des choses. Voilà. Et alors après, elles sont montées en épingle. Et moi, personnellement, certaines me paraissent regrettables, mais d'autres me paraissent pas importantes ou même curieuses. Vous voyez, il y a cette histoire de Hanouna qui a fait beaucoup parler avec le refuge, où il y avait un pauvre garçon qui était dans la rue parce qu'il y avait une blague, évidemment, à la Cyril Hanouna. Et qu'il y avait un pauvre garçon, ses parents l'avaient reconnu et le refuge l'avait reçu, il était au bord du suicide, c'était affreux et là tout le monde a dit c'est épouvantable. Et puis, heureusement, Cyril Hanouna a porté plainte, il y a eu une enquête de police, on s'est aperçu que c'était pas vrai. Et le directeur du refuge d'ailleurs a dit, je crois, hein, c'est quelque chose que j'ai inventé. Alors, bah. Voilà, Monsieur le Président, sur le cas justement de la réponse par rapport au non-renouvellement, le fait qu'effectivement, selon vous, effectivement, est-ce que le fait d'être sanctionné peut justifier un traitement de fait particulier de ces chaînes-là, en tout cas une prise en considération des sanctions dans les décisions d'un nouveau renouvellement? On va le Si vous êtes avec aucun reproche, c'est un peu difficile de vous les supprimer. On va vous dire, attendez, c'est antidémocratique. Donc si vous avez envie de supprimer des chaînes, vous êtes obligé d'aller faire des cas, voilà, et d'expliquer des choses qui ont été faites. Voilà. Bon, je dis pas que ils sont, vous savez, le plus grand saint pêche 7 fois par jour dans la religion chrétienne, donc on a de la marge. Mais ça me paraît pas. Je vous dis. Et puis moi, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est, pardon, mais le succès de ces chaînes devrait faire que les dirigeants devraient être plus récompensés que ce qu'ils ne sont. Enfin, je veux pas leur donner des mauvaises idées, qu'ils viennent demander des choses et qu'après on me le reproche. Mais c'est un succès, tout ça. On peut raconter ce qu'on veut. C'est un succès formidable, avec des groupes qui ne sont pas les plus puissants de France et qui ont réussi à se hisser quand même parmi les premières positions. Ce gage. Il faut que vous coupiez. Merci. Donc ce que vous nous dites un peu, c'est que la fin justifie les moyens et que le succès, même au prix du non-respect de la Convention, doit être valorisé et pas sanctionné. L'autre raison de votre présence aujourd'hui, c'est la question du rapport à est-ce qu'on peut faire des chaînes d'opinion. Dans votre audition au Sénat en janvier 2022, vous dites que ce n'est pas du tout mon intention. Pourtant, ce n'est pas le sentiment qui se dégage au regard de ces chaînes. On a vu les chiffres d'une surreprésentation de certains courants d'opinion. On a vu, y compris parfois, des moments, et on l'a vu, y compris dans les sanctions, l'honnêteté, la rigueur dans la présentation, le traitement de l'info, la maîtrise de l'antenne sont des critères auxquels vous êtes tenus. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez parfois été sanctionné, parfois pas encore. Je pense à l'histoire des étoiles taguées, des étoiles bleues taguées sur les murs, où vous êtes trué sur une explication, et alors qu'on a aujourd'hui des signes qui disent que c'est la Russie qui était derrière tout ça. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette question de la chaîne d'opinion et de l'influence que vous pouvez lui donner au nom de cette fin justifie les moyens pour servir un public au mépris de l'éthique et d'un principe de responsabilité qui doit peut-être aussi faire écho aux valeurs que vous avez mentionnées? Pardonnez-moi, je ne partage pas du tout ce que vous dites. Il n'y a aucunement la fin justifie les moyens. Nous avons au contraire beaucoup de morale, beaucoup de points de surveillance à l'intérieur du groupe, de façon générale. Et ça fait partie de l'ADN de ce groupe, d'être extrêmement respectueux et de faire attention à tout. Donc ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, accessoirement, comme ce n'est pas moi qui gère, je prends la défense des gens qui le gèrent, mais et l'ARCOM et le Conseil d'État ont dit que CNews était une chaîne, non pas d'opinion, mais d'information. Donc je ne vais pas me substituer à l'ARCOM et au Conseil d'État, et je pense que vous n'avez pas de motif
pour le faire aussi. C'est très clair, merci. Pour cette réponse, je donne la parole à Monsieur Jacobelli. Par contre, il n'y a pas de répartition. C'est la parole est à donner à la personne à qui je la donne exclusivement. Donc, M. Jacobelli. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Bolloré. Pour être très honnête, j'ai donc travaillé 20 ans dans l'audiovisuel. J'ai commencé ma carrière à TF1. J'ai eu la chance de diriger les antennes de TV5 Monde. J'ai dirigé plusieurs groupes de production télévisuelle, mais je n'ai jamais travaillé ni pour vous, Monsieur Bolloré, ni pour le groupe Canal+. Et c'est parce que j'aime la télévision que je suis ici à la commission pour voir dans quelles conditions renouveler les licences de la TNT, les autorisations de la TNT. Et je dois dire, je suis un peu surpris par cette audition. J'ai plus l'impression d'être, je dois le dire, à un procès d'une personne, vous, et je ne suis pas forcément étonné quand je lis un certain nombre de déclarations, celle de monsieur le rapporteur par exemple. Il est temps de sanctionner Bolloré et ses lamentables marionnettes. Xénophobie et voyeurisme, c'est vous, hein, monsieur Bolloré, c'est la recette de la petite clique des Bolloré. Cyril Hanouna défend l'oligarque Bolloré. Bravo à Louis Boyard, donc mon collègue député, d'avoir dit la vérité sur l'argent sale de ce saccageur de l'Afrique. Mon collègue Boyard, ancien salarié de Canal+, qui déclarait, lui, que le système Bolloré entraîne le racisme et l'islamophobie. Vous le savez comme moi, une chaîne de télévision, ce sont des programmes, des hommes et des femmes qui les animent, mais aussi une réputation. Est-ce qu'une offensive politique très claire, et malheureusement, cette commission en est parfois l'exemple, qui est menée contre votre personne, j'ai l'impression, et le groupe dont vous êtes actionnaire, est-ce que ces propos très vindicatifs, parfois à la limite haineux, nuisent sur l'image de vos chaînes et donc sur les audiences? Et est-ce que vos équipes en ressentent des problèmes pour travailler dans leur confort quotidien? Parce que quand on travaille dans une chaîne de télévision, et je le sais, il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'allant, parce qu'on porte un projet, et que parfois ces critiques peuvent blesser. Avez-vous noté un impact de ces attaques qui sont dirigées contre vous et votre groupe? C'est pas agréable. Ça, c'est sûr que ça fait pas plaisir. On préférerait dire, vous êtes un type formidable, c'est épatant, etc. Ce que vous faites est génial, vous êtes un grand chef d'entreprise, etc. Mais après, il y a une habitude d'être paratonnerre. Et ça sert, d'ailleurs, parce que c'est ni Arnaud de Puyfontaine, mon fils Yannick, qui est pourtant président de la société, ne sont là. Mais tant mieux pour eux, ça leur évite. Ou tant mieux pour eux, ils regrettent de ne pas être devant la représentation nationale. Donc, en effet, je trouve tout ça triste. Notre pays est quand même dans une période où beaucoup de Français ont du mal à vivre. Je pense que les disputes, les petites guéguerres ne sont pas extraordinairement utile. Je pense que ce serait mieux de s'asseoir autour d'une table et d'essayer de voir comment on peut bâtir ensemble, comment on peut faire des choses pour que les choses aillent mieux. Je pense que c'est plus facile de se disputer quand ça va bien que quand ça va mal. Malheureusement, l'expérience montre qu'on se dispute souvent quand ça va mal et qu'on cherche des boucs émissaires. Donc moi, ma personne, franchement, c'est pas le problème. À mon âge, dans ma situation, je vous ai dit tout à l'heure, d'ailleurs peut-être même que ça me permet de devenir un homme, en reprenant la phrase de Kipling. Sur les équipes, fort heureusement, l'essentiel de Canal, ce sont des abonnés qui ne comprennent rien à ce qui est dit ici. Les abonnés, ils sont intéressés parce que vous avez l'anatomie d'une chute qui est passée, Barbie qui est passée, Oppenheimer qui va passer la semaine prochaine, la Ligue des champions, le rugby, etc. Donc, je ne pense pas que ça a d'effet sur Canal aujourd'hui. Ça a eu de l'effet. Quand je suis arrivé, il y avait les mêmes attaques. Mais la situation de Canal était fragile et on espérait que Canal+ devienne Canal-, que nous soyons sortis et que d'autres personnes prennent la place et que les anciens reviennent. Là, aujourd'hui, je pense que franchement, c'est pas ça qui va renverser les choses. Mais je redis, moi, à titre personnel, je pense que dans l'état de notre pays, ce serait bien d'essayer de construire que plutôt que d'essayer de s'envoyer des invectives, je crois. Monsieur Jacobelli, vous avez un rebond? Oui, très rapide. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous savez aussi qu'un certain nombre de députés, certains sont dans cette salle, ont fait circuler ou signent une pétition pour que vos chaînes s'arrêtent. Est-ce que ce vent du boulet, j'allais dire, venu parfois du Parlement, vous amène à changer certains de vos programmes, certaines de vos programmations pour préserver l'avenir, ou au contraire, est-ce que vous continuez comme si de rien n'était? Je crois que les équipes de Canal sont très attentives. Vous les avez reçues ici.
Gérald Brice-Viret, Franck Apieto, Jean-Marc Jurami, Serge Nedjar, tout ça, ils savent qu'ils sont scrutés chaque jour. Donc évidemment, ce n'est pas agréable, je vous le redis, mais c'est comme ça et il faut être courageux. Dans notre ADN, il y a le courage et l'espérance. Et donc, nous allons essayer. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que pour nous, en tout cas, commission d'enquête, nous avons bien fait le tour de l'ensemble des éditeurs et de l'ensemble des obligations des conventions. Jusqu'à présent, 16h58, ont pris la parole deux députés Renaissance, deux Rassemblement National, un de la France Insoumise qui compte le rapporteur, Renaissance comptant le président, les Républicains, un Modem, un Socialiste, un Horizon absent, écologiste, bien sûr, une, GDR, Lyotte, non inscrit, membre absent. Nous avons donc respecté les équilibres en prenant en compte la présence aussi du président. J'appartiens puisque mon groupe n'a eu que deux temps de parole. J'ai encore 7 demandes, dont 6 de membres de la commission d'enquête. Mais je donne la parole à monsieur le rapporteur et vous me permettrez quand même de lui laisser 10 minutes jusqu'à 17h08 de manière à ce qu'il puisse aller au bout de son travail. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole et je suis sincèrement désolé pour les collègues frustrés. J'ai bien sûr mis dans un premier temps les membres du bureau, ensuite les équilibres politiques et dans les équilibres politiques la priorité des députés qui étaient les plus actifs sur les précédentes auditions, ce qui me semblait être le plus juste, mais rien n'est parfait. Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. 4 questions pour lesquelles je vais vous demander du coup une réponse brève, s'il vous plaît, monsieur Bolloré. La première concerne le Togo. Le Togo, c'est un peu le fil rouge de vos activités télévisuelles. En octobre 2017, c'est l'effet papillon qui est retiré des antennes. Puis, un publi-reportage, considéré comme tel par le CSA, qui vous a condamné, ou en tout cas qui a condamné la chaîne, sanctionné la chaîne, en faveur du régime de M. Niasimbe, ou en tout cas du pays de M. Niasimbe, Fort Niasimbe. C'est le licenciement du numéro 2 de Canal Plus International, François Deplanque, pour la diffusion de ce numéro de l'effet papillon. Mais c'est aussi une affaire qui concerne la concession du port de Lomé pour laquelle vous avez plaidé coupable, mais l'affaire étant toujours en cours, je ne vous donnerai pas de détails sur ce sujet évidemment. Quoi qu'il en soit, il me paraît assez évident que vos intérêts au Togo ont déterminé des choix au sein de la rédaction de Canal. Comment pourriez-vous nous prouver le contraire ? Attendez, je pense que c'est pas comme ça, c'est pas à moi de prouver le contraire, c'est... Je ne suis jamais intervenu là-dessus, je n'ai jamais vu les choses dont vous me parlez, donc je ne peux pas prouver quelque chose que je ne connais même pas. Pardonnez-moi, je suis le plus rapide possible, je pourrais en faire des tranches, mais je ne suis pas au courant et je ne peux pas vous dire ça. Donc, quand un publi-reportage sur le régime togolais est diffusé sur Canal, c'est tout à fait fortuitement, alors que vos pratiques pour obtenir la concession du port de Lomé ont été frauduleuses. Juste, je rappelle que la concession du port de Lomé n'est pas l'objet de cette commission d'enquête. Alors, on peut parler effectivement du reportage, du sujet, mais pas du port et de la concession. Donc, M. Bolloré, vous n'avez pas à répondre sur le port et la concession. Non, mais la concession, on l'a eu il y a 20 ans, donc ça ne peut pas rentrer là-dedans. Je ne suis intervenu en rien, je ne suis au courant de rien. J'ai lu simplement ce qui a été dit par les équipes au cours des auditions et qui disent que je suis pour rien là-dedans. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir participer. Je n'ai pas l'habitude de me défiler, mais là, je ne peux pas faire. Monsieur le rapporteur, la parole est au rapporteur. La parole est au rapporteur seulement. Le CSA s'était donc prononcé, mes collègues ne connaissent pas manifestement le dossier. Pouvez-vous me dire si vous participez aux réunions du mardi à Vivendi ? Bien, moins maintenant. J'y vais un mardi sur 3 ou un mardi sur 4, c'est-à-dire 7 fois par an, 8 fois par an. Ils ont déménagé, vous savez, ils avaient 3 bâtiments différents. Monsieur Bolloré, là des bâtiments, est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que moi je fais partie de ceux qui ne savent pas ce qu'est la réunion du mardi à Vivendi. Qu'est-ce qui se passe à la réunion du mardi ? Mardi, c'est le jour où je venais tout le temps. Voilà, donc c'était un truc chic où soi-disant les gens faisaient plus le ménage parce que j'arrivais, les gens arrivaient plus tôt parce que j'arrivais, et donc il y avait une petite agitation. Demandez à Jean-Christophe Thierry, c'est lui qui racontait que quand je venais le mardi, il y avait plus de monde. Voilà. Et puis le temps a passé, je viens moins le mardi, je vous dis j'y viens une fois toutes les 3 semaines. Et généralement, ça commence par un café, des petits pains au chocolat dans le bureau de Maxime Saada. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui passent, sachant que je suis plus ou moins là le mardi. Mais je n'y étais pas mardi dernier, je n'y étais pas mardi d'avant. Et
J'espère y aller mardi prochain. Donc, bien reçu, mais donc mardi prochain, monsieur le rapporteur. En revanche, vous téléphonez tous les jours à Serge Nedjar, sans jamais chercher à l'influencer. Alors, je ne téléphone pas tous les jours à Serge Nedjar. Je téléphone à Serge Nedjar chaque jour où il a plus que 3% et où il bat BFM. Voilà. Alors, il se trouve qu'en effet, depuis 3 semaines, ce n'est pas tous les jours, mais c'est 4 jours par semaine. Voilà. C'est un garçon que je connais depuis très très longtemps, qui, comme vous savez, est assez sur les charbons ardents, parce qu'il a 66 ans. Je crois qu'il a encore un prêt immobilier de 9 ans, je crois. Il se demande qu'est-ce que va devenir son gagne-pain. Voilà. Mais je ne l'appelle pas pour lui parler. Ça dure 4 secondes ou 10 secondes. Et généralement, je ne l'appelle que dans ces moments-là, plus de 3, et victorieux. Et c'est vrai que ça arrive. J'espère que ça arrivera plus souvent encore. Alors, il semble qu'en septembre 2023, vous soyez rendu à l'Élysée pour rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron. Pouvez-vous nous dire quel était l'objet de votre rencontre et de quels sujets ont été abordés durant la discussion avec le président de la République ? Alors, il se trouve que dans ma situation, je rencontre beaucoup de gens et beaucoup de présidents de la République. J'ai commencé à connaître le général de Gaulle, Pompidou, que je tutoyais. J'en ai tutoyé 4-5, Pompidou, je joue aux cartes. Enfin, pardon, je vais être long, donc je ne vais pas vous raconter ça. Sarkozy, j'en parle pas non plus. Ni François Hollande. Oui, j'ai peut-être été reçu, je ne sais pas la date que vous dites, mais voilà, je suis reçu régulièrement, plusieurs fois par an, par des personnages importants, pas forcément français d'ailleurs, ça peut être étranger aussi, avec qui je parle, qui me demandent mon avis, qui trouvent que, voilà, qu'on a fait un groupe intéressant. On travaille, on parle de la batterie électrique, on parle de la Bretagne, à laquelle je suis très attaché, on parle de tas de choses comme ça. Et je suis très honoré d'être reçu par... les personnes importantes, comme je suis très honoré d'être ici devant vous. Voilà, c'est une preuve de considération et j'en suis très content. Merci. Avez-vous évoqué la situation ou les propos de Mme Rima Abdul-Malak, qui était ministre de la Culture, ou de M. Papendiaye, qui était ministre de l'Éducation nationale, au sujet de la réattribution des fréquences des chaînes et de CNews ou d'Editis ? Absolument pas. J'ai été court. À propos de Mme Abdul-Malak, elle déclarait « C'est le rôle de l'ARCOM, au moment de faire le bilan de ses obligations, de vérifier qu'elles ont été bien respectées pour pouvoir ensuite évaluer si la reconduction de cette fréquence est justifiée ou pas. » À la suite de cette affirmation, rappelant le cadre légal, nous avons pu relever plusieurs communiqués officiels, une campagne de publicité élaborée par une agence appartenant à Havas, des heures d'antenne sur CNews, 29 débats, 3 articles dans le journal du dimanche, un édito dans Paris Match pour défendre les chaînes du groupe. Par ailleurs, le 11 juillet 2023, sur le plateau de CNews, Louis Dragnel accable Papendiaye et Rima Abdul-Malak, qu'il qualifie des deux ministres woke du gouvernement. En septembre 2023, c'est un sondage du CSA qui vous appartient, pour CNews, qui vous appartient, qui révèle que 62% des Français ne feraient pas confiance à Papendiaye en tant que ministre de l'Éducation. Cette opération contre les deux ministres était-elle concertée et coordonnée entre les différents médias du groupe ? Le but était-il de les intimider ? Et une telle, à cette occasion, pour finir, un bandeau indiqué sur la chaîne CNews, CNews C8, la ministre de la Culture veut retirer les fréquences. Manifestement, cette affirmation n'était pas exacte. Partagez-vous cette appréciation ? Vous savez, le problème, c'est que le groupe est tellement vaste. Je ne sais pas combien il y a d'heures d'antenne, je ne sais pas combien il y a de journaux, je ne sais pas combien de livres, que vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais en fait, vous êtes LFI ». Boyard ne va pas être content. J'ai dit, mais pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est d'habitude, c'est pas ce qu'on dit. Si, M. Caron, M. Boyard, Mme Machin, travaillent chez vous, etc. Voilà, donc on peut prendre de tout. Je voyais que le livre de Mme Binet de la CGT sortait chez Grasset ce matin, qui est chez moi. Donc, voilà, donc vous pouvez prendre des petits bouts, les coller ensemble et faire un spectacle, enfin une théorie. Mais donc, concernant, moi je ne la connais pas, Mme Rima Abdul-Malak. Par nature, je respecte tous les ministres de la République comme tous les députés. Et elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Mais je ne la connais pas, je ne connais pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais vous pouvez sans doute regarder sur d'autres chaînes. Voilà. Et je regrette d'ailleurs, c'est pas bien quand on dit du mal des gens. Moi-même, vous savez, je suis de temps en temps sur TF1 le soir. Voilà, je déplore. Voilà. Les personnes publiques, malheureusement, de temps en temps, elles se font chahuter.
Mais ce n'est pas parce que je suis sur TF1 et que je passe pour un crétin le soir devant je ne sais pas combien de millions de personnes que je pense que c'est parce que Martin Bouygues m'en veut. Je ne pense pas ça. Je pense que c'est le principe des personnes publiques. Je ne pense pas qu'il y ait de... Voilà, je pense pas qu'il y ait de... Je pense que les gens de Canal font bien leur boulot. Vous les connaissez. Je pense que c'est une équipe, Jean-Christophe Thierry, Maxime Saada, remarquable. Je trouve que les équipes de Vivendi sont de grande qualité. Je suis fier de leurs résultats. Je suis fier de ce groupe et je suis fier de tous les gens qui travaillent, les 10 000 ou 15 000 personnes qui Merci, travaillent en France. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Fier, voilà. Dernière question. Merci, Monsieur le Président. Une dernière question. Dans le numéro du 16-17 février 2024 de l'Opinion, un article s'intitule « Pourquoi Jordan Bardella voit le secours de CNews ?» Je vous en donne quelques extraits, rapidement. « L'antenne de CNews n'exprime pas le pluralisme politique d'une chaîne d'infos. Le sermon ne vient pas de Reporters sans frontières, mais de Marine Le Pen. En octobre 2021, elle admonestait son directeur Serge Nedjar, lui reprochant de rouler pour son concurrent Éric Zemmour. Un petit peu plus loin... On lit que Sébastien Chenu déjeunait avec Serge Nedjar l'an passé. Notre collègue Philippe Ballard admettait également que « Reconquête a disparu du paysage. Nous sommes puissants depuis 2 ans et demi. Je sens un changement. » Comprendre dans les médias. « Peut-être les médias sentent-ils qu'on arrive au pouvoir. » La suite... Pardon, mais là, Non, seul le rapporteur a la parole. Monsieur le rapporteur, allez au bout de... Monsieur le rapporteur, allez au bout de... Chers collègues, on va juste laisser monsieur le rapporteur aller au bout de sa logique pour ensuite pouvoir comprendre. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur Ballard, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole et vous seul, allez-y. Donc, allez-y, monsieur le rapporteur. Dans le même article de l'Opinion... Les propos rapportés de Philippe Olivier, ces chaînes parlent immigration, parlant des vôtres, parlent immigration, sécurité et dette. Nous lui sommes très reconnaissants de ce qu'il a fait dans les médias, Europe 1, CNews, le JDD. Avant, nous avions si peu de présence à la télévision que nous collions des affiches quand c'était le cas. Est-ce que ces citations ne sont pas de nature à vous faire penser que peut-être vous coopérez, que vous le vouliez ou non, à une entreprise politique ? Je vous répète... Monsieur Ballard, c'est pas vous qui posez les questions. Monsieur Bolloré, vous avez la parole. Président Bolloré, vous avez la parole. Monsieur le Président Bolloré, vous avez la parole. Je répète qu'on peut prendre des petits bouts de chaque chose et faire dire exactement le contraire. J'avais dit à la dernière audition, il y a 2 ans, que j'étais woke parce que le Robert, le dictionnaire, était en pointe sur il ou elle, l'inclusif, et que le Robert faisait partie du groupe. Donc, si vous prenez des petits bouts, vous pouvez faire dire n'importe quoi. Et donc, je ne crois pas du tout que, voilà, que on puisse, à partir de théories qu'on veut... mettre en avant, prendre ces petits bouts comme ça et en tirer des conclusions. Je pense que c'est pas juste. Je pense que voilà, je peux que répéter ça. Je suis désolé. Merci, Monsieur Bolloré, pour ces réponses. Je suis à nouveau désolé pour les députés qui n'ont pas pu poser de questions. J'ai bien sûr pris en compte les temps des différents groupes, en décomptant d'ailleurs le mien de celui de mon groupe politique, et je m'excuse auprès de lui. Nous avons effectivement donné priorité aux membres du bureau et nous avons respecté, même un petit peu dépassé, la décision du bureau qui avait été prise à unanimité groupe de politique. Pour demain, nous aurons également une limite à 2h30 et je proposerai en amont à l'ensemble des groupes politiques de nous faire passer dans la liste des prises de parole leur ordre de priorité des différents membres de chaque groupe. Et c'est cet ordre de priorité qui sera pris en compte demain lors des temps de parole de chaque groupe politique avec une durée également de 2h30. Mais en l'absence de ces priorités émises directement par les groupes politiques, j'étais dans l'obligation d'émettre d'autres règles, celles de la justice et des décisions prises par le bureau. Monsieur le Président, je vous remercie pour l'ensemble des réponses que vous avez pu nous apporter. Nous avons d'ailleurs une autre audition qui va débuter, et celle-ci, pour les malvoyants ou les malentendants, il y aura également en plus une interprétation en langue des signes, et c'est pour ça important qu'on l'attaque le plus à l'heure possible vis-à-vis de cette interprétation et vis-à-vis des intervenants qui attendent déjà devant la porte. Monsieur le Président, bien sûr, vous pouvez envoyer donc tous les documents dont nous avons pu évoquer au cours de cette audition aux administrateurs. Nous les transmettrons aux membres. Un questionnaire vous a également été transmis. Vous pourrez transmettre ce questionnaire rempli par écrit
aux administrateurs et sera transmis aux membres de cette commission d'enquête. La séance est suspendue pour 3 minutes et à 17h15 précisément, nous débuterons la prochaine table ronde. Je vous remercie, chers collègues.